Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast Saint, le podcast présenté par Thomas Le Saint. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir un coach, mais vraiment particulier. C'est pas un coach de sport aujourd'hui, mais ça se rapproche un peu du physique, mais c'est pas trop la même manière. Donc c'est Gaussou. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui et tu vas nous partager ton expérience. Salut Gaussou. Salut Thomas, ça va? Ça va, en forme et toi? Ouais, tranquille, ça va, merci, ça va. En tout cas, ça me fait plaisir de t'avoir parce que on se connaît, ça fait quelques années maintenant, vu qu'on partage des réseaux d'entrepreneurs. Ouais, c'est ça. C'est ça, et j'ai beaucoup apprécié toujours d'échanger avec toi parce que tu es une personne qui est très généreuse, qui toujours donne des bons conseils, qui est toujours. Qui est là quand on a la moindre question. À chaque fois, je te pose des questions, tu es toujours là pour répondre et je me dis, mais. Franchement, ça serait cool de t'avoir sur le podcast et surtout que tu as une activité qui est vraiment particulière, très, très originale et tu fais du business sur ça. Je me suis dit, ça peut intéresser beaucoup de monde. Donc, c'est pour ça que je t'ai invité. Okay, est-ce que Gaussou, tu pourrais te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas sur le podcast? Ok, donc déjà, merci pour les compliments. Avec plaisir. Moi, c'est Gaussou, donc je suis coach de mannequin et coach et agent aussi de mannequin. Donc, j'aide. Les femmes, maintenant je fais que les femmes, avant j'avais fait les hommes, etc. Maintenant je fais que les femmes. Et encore, je me suis spécialisé aussi, spécialisé dans les femmes noires et métisses maintenant aussi. Yes, et voilà, je les aide à, yes, on en parlera, je les aide à signer en agence, voilà, tout simplement à devenir mannequin, à se développer, à réussir dans le milieu du mannequinat. Donc voilà en gros ce que je fais. Ok, donc ça, en gros, t'es un peu la passerelle entre une femme qui veut devenir mannequin, qui veut persévérer. Et les agences, et entre guillemets, toi, tu es l'intermédiaire, tu fais le lien entre les deux, c'est ça, la mannequin et l'agence. Exactement. En tant qu'agent, c'était ça. C'était le lien, en fait, il y avait moi, il y avait la mannequin. Ah, quand tu étais agent plutôt, c'était ça. Alors, quand j'étais agent, c'était comme ça. Donc, okay. En gros, les filles, je les ai recrutées, je les ai formées, je les ai développées surtout, okay, par rapport à tout ce qu'il faut pour être dans le milieu du mannequinat. Et ensuite, ouais. Je les ai placées en agence. Ça, c'est mon rôle en tant qu'agent. Et en tant que coach, je prends des filles qui sont débutantes. Et je leur apprends ce que c'est le mannequinat, tout ce qui est mindset, tout ce qui est les photos, etc., tout ce qu'il faut faire. Et je leur apprends ce qu'il faut faire et je leur montre comment postuler, comment signer en agence, qu'est-ce qui demande un vrai mannequin, etc., etc. Et ensuite, après, c'est elle là qui postule en agence et qui signe en agence. Donc, tu arrêtes, t'as arrêté cette partie agent? Alors, j'ai arrêté. Tu j'ai arrêté, là je vais reprendre, mais c'est en fait je vais reprendre là, mais vraiment avec des africaines. En fait, j'ai arrêté en France, je vais vraiment me consacrer sur le coaching parce qu'agent ça prend quand même beaucoup de temps. On est là, c'est du H24, ça s'appelle même agent-mère, parce qu'on est presque comme les mères des agents, des filles en fait, parce qu'en fait on s'occupe d'elles, ou de ceux qui s'occupent des garçons tout le temps, que ce soit les places en agence, développer leur profil, leur compte Instagram. Il faut qu'elle soit active sur les. Quand on voit des mails, etc., des messages, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle fasse attention à leur hygiène de vie, il faut qu'elle fasse du sport, il faut qu'elle ne rentre pas à 4h du matin avant un shooting le lendemain. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc il faut toujours les briefer, être là derrière elle, on va dire. Ça prend énormément de temps. C'est pour ça que ça, j'avais laissé de côté. Et puis je suis consacré au coaching, parce que coaching, c'est une période donnée, c'était sur 3 mois. Donc 3 mois et ensuite, c'est terminé. Au fond, après, officieusement. Je réponds quand même aux messages et tout, mais c'est vraiment 3 mois. Et par contre, agent, je vais reprendre. Là, je suis parti en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Et j'aimerais bien, en fait, aider, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont du potentiel là-bas, en Afrique en général. Et là, j'étais en Côte d'Ivoire où j'étais. Et du coup, j'aimerais bien aider les filles là-bas à devenir mannequin. Donc, je suis parti là-bas, j'ai pris quelques renseignements, on se rencontrait des agences, quelques mannequins, photographes et tout. Et je suis en train de voir, mais je pense que si je reprends en agent, ce sera avec des filles déjà de Côte d'Ivoire, parce que c'est là-bas que j'ai vu le marché. Tu démarres en Côte d'Ivoire. Comment tu vois que la fille, elle a un potentiel? Déjà, première chose, moi, c'est Instagram. Je suis 100% sur Instagram, on va dire. Donc déjà, quand je vais voir ce qu'elles mettent comme photo, déjà leur profil physique, ça c'est normal, c'est la base dans le mannequinat, mais ça suffit pas, parce que le mannequinat, moi tout le temps je dis que c'est 50%. Quand tu dis profil physique, c'est à dire c'est parce qu'il y a tellement tellement de physique féminin, ouais. Que des fois on peut se perdre. Et moi je me souviens des années 90, la mannequin super filiforme, un peu tu sais anorexique, fine,
2000, on a commencé à avoir d'autres types de mannequins, un peu plus type afro, un peu, tu vois, un peu plus sculpture, avec des formes et tout. Je pense 2020, maintenant, ouais, on est plus vers ça aussi. Même je vois des filles avec des, vraiment des hanches. Pour toi, c'est quoi qui t'attire l'œil, toi, quand tu Alors, dis, directement, c'est vraiment… En fait, sur les réseaux, on peut voir plein de choses. Par exemple, quand il y a des filles, on voit qu'elles mettent mannequin, tout ça, sur leur réseau, sur leur bio. Ouais. Et toutes les photos, soit elles sont tournées comme ça, on ne voit pas leur visage, soit elles ont leur téléphone comme ça, soit elles ont des lunettes. En fait, moi, je vois que déjà, elles manquent souvent de confiance personnelle, etc. Du coup, moi, déjà, ça fait un truc, tu vois. Ça montre que, ouais, ça peut pas le faire, en tout cas, maintenant, tout de suite. Ça, c'est quand, en tant qu'agent, donc je pouvais pas travailler avec ces personnes-là. Après, il y a des choses qu'on ressent, le charisme, la prestance, etc. C'est pas forcément, bon, il y a la beauté, bien sûr, mais tout ce qui est charisme, etc., on peut le ressentir dans les photos. Donc, ça aussi, je regarde. Donc, c'est pas forcément la taille. Si elle s'est posée, quoi, en fait. C'est si elle fait si pas ses petites posées, portable et tout, faut vraiment. Ouais, voilà. Okay. Ouais, il y a ça. Et puis, comment elle se tient, comment elle s'en comporte et tout. En fait, c'est un tout avec aussi ce qu'elle met sur Instagram. Okay. Si elle est trop dans la vulgarité, ça, je prends pas, tu vois. Ouais. Je prends pas. Ou des filles qui ont des comptes mimes, comptes OnlyFans, tout ça, dans leur bio. Ça, je prends pas parce que moi, j'accompagne pas en tout cas ces filles-là. Et en fait, je regarde un peu tout ça. Et puis voilà. Quand je recrutais, c'était un peu ça que je regardais. Et après, quand c'est là le coaching, quand c'est elles qui viennent me voir, pareil, je regarde un peu ce qu'elles font, ce qu'elles montrent déjà sur les réseaux sociaux pour après discuter avec elles et si moi je peux les aider ou pas. Parce qu'il y en a qui sont belles, parce que tout le monde leur a dit qu'elles sont belles, donc parce que belles, elles veulent être mannequins, mais ça ne suffit pas. Parce que c'est pas parce qu'on est belle qu'on est mannequin. Sinon, on rentre dans la rue, on prend une belle fille, tiens, viens faire mannequin. Il faut aussi qu'elles soient passionnées par ça. Ok, ouais, faut qu'elle aime ça, faut qu'elle soit prête aussi à. Parce que c'est un métier, c'est comme un sportif, en fait. C'est un métier d'image, donc faut faire attention à son image. Si on a des boutons, on va avoir un dermato, faut qu'on fasse des soins des cheveux, faut qu'on fasse du sport pour avoir un corps assez tonique, c'est important. Faire attention à ce qu'on mange, faut pas manger des pizzas tous les jours. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a des filles qui sont pas prêtes à tout ça, surtout celles qui sont pas passionnées, du coup, elles peuvent être les plus belles du monde et ça fonctionne pas. J'en ai vu une qui venait de Bordeaux, un profil incroyable. Et on a travaillé ensemble rapidement pendant 2 mois, je crois. Et directement, le premier mois, je vais faire des shootings, tout ça, en 2 semaines. J'avais passé à Los Angeles, New York, Paris, Londres. Un profil incroyable. Et après, elle avait des rendez-vous à Paris. Plein de contrats signés, tout ça. Donc déjà, là, elle commençait à… Elle répondait plus trop, tout ça. Donc, j'étais passé par sa tante même pour lui dire, bah, voilà, votre fille, je lui envoie des contrats, il faut qu'elle les signe et tout. Donc, on discutait. Des fois, elle voulait arrêter, elle voulait plus arrêter. Enfin, dès le début, en fait, c'était trop pour elle. Et après, elle est quand même venue à Paris, il faut faire le rendez-vous avec l'agence. Et elle avait des boutons. Donc, l'agence lui ont dit, bah voilà, c'était pendant l'été. Ils lui ont dit, bah, c'était en juin. Ils lui ont dit, l'été, là, tu laisses. Alors, tu vas avoir un dermato, tu fais les soins de la peau, etc. Et c'était une métisse. Elle se lissait tout le temps les cheveux. Elle était complexée par son afro et tout. Donc, ils lui ont dit, bah là, laisse tes cheveux respirer un petit peu et tout. Et voilà, on reviendra en septembre, tout ça. En fait, tout ça, c'était propre pour elle. Elle a tout arrêté. Elle a dit, bah, moi, je continue pas le mannequin. Elle pensait que juste on l'appelle. Ah, viens faire Gucci. Ah, tiens, viens faire. Yves Rocher, viens faire ci, mais c'est pas comme ça. Il faut faire aussi c'est un métier d'image, il faut faire attention à sa peau, etc. Et elle n'a pas accepté tout ça. Quoi. Donc, voilà, parce que c'est un métier. Voilà. Un vrai métier. Sans indiscrétion, quand tu dis la fille avait des contrats à signer et tout, il y avait déjà des sommes qui étaient déjà sur les contrats ou Non, en fait, des contrats avec les agences. C'était des contrats que, par exemple, on avait fait un call, avec un visio avec une agence qui était au Los Angeles et New York. Voilà, ils ont vu en vrai, etc. Enfin, on vit en vrai, en vidéo. On peut envoyer des choses en photo et c'est pas vraiment réel. Donc, c'est pour ça que des fois, ils font des visios. On a parlé un peu avec eux, tout ça. Et voilà, après, ils envoient le contrat. Donc, ils signent. Donc, des contrats plus des documents où elle remplit, voilà, mais ses données, bah, son RIB, plein de choses. Et en fait, le problème, c'est que, en fait, faut signer, faut remplir, mensuration, taille, allergie, enfin, plein de trucs. Il y avait l'agence là-bas, il y avait une agence de Londres aussi, pareil, l'agence de Paris. Et voilà. Et du coup, tout ça, c'était trop pour elle. En fait, quand on n'est pas passionné, juste le fait de remplir des trucs, des documents, j'ai envoyé, il fallait qu'elle imprime, qu'elle scanne, qu'elle signe, qu'elle remplisse, qu'elle renvoie. Enfin, tu vois, c'était assez compliqué. Qu'elle soit réactive. Des fois, l'agence lui demandait des photos supplémentaires. Et tout ça, là, c'était trop, en fait. Elle voulait juste qu'on l'appelle. Ah, tiens, bah, il y a Gucci demain, 2000 euros, vas-y. Hop, ok, elle y va. Elle, en fait, c'était juste ça. Mais c'était pas comme ça, le mannequin. Il y en a plein, c'est ça. Elle pense que c'est juste, on l'appelle, tu vas faire ton job et tu rentres chez toi. Mais c'est pas comme ça. C'est un métier, voilà. Une journée de mannequin qu'on puisse savoir un peu, c'est quoi en fait en général?
Elle se lève tôt le matin et elle va faire son shooting, ou c'est une grosse préparation de 4-5 jours au sport et après le shooting et après un autre chose, un voyage. C'est quoi en fait en gros? En fait, une mannequin, ça fonctionne un peu comme de l'intérim. C'est que. Okay. C'est la mission. Appelle, voilà, à la mission. Donc on va appeler, on va dire bah voilà, t'as un contrat le 3 mars pour Yves Rocher. Donc on nous donne les informations, l'heure, le rendez-vous, etc., ce que ce sera, et puis voilà. Donc en attendant, elle a rien, tu vois, mais elle va le 3 mars là-bas. Donc après, le rendez-vous 9h, donc bien sûr, la veille, il faut qu'elle fasse attention, faut pas qu'elle rentre à 4h du matin, faut qu'elle boive bien de l'eau, faut qu'elle mange bien, etc. En fait, tu vois, il y a toute une discipline à avoir pour justement être bien durant ce job-là, parce que ce job-là, il te voit une fois. Et si t'aimes bien Yves Rocher, ils vont te rappeler une deuxième fois, puis une troisième fois. Mais si ça t'y va, ça se passe pas bien, ils vont jamais te rappeler. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'être en forme, de bien gérer le job, parce qu'après, ça marche bien, eux, ils vont te reprendre et puis ils vont parler de toi en bien. Il y a peut-être des photographes qui sont là, mais qui travaillent pour une autre marque, qui vont aussi parler de toi en bien, etc., etc. Et en fait, ça fait effet boule de neige. Donc, voilà. Faut toujours bien être prête, en tout cas, et physiquement et mentalement. Donc voilà. Mais après, c'est pas comme un contrat CDI, tu sais que chaque jour tu auras ci, tu auras ça. En fait. Voilà, on peut même t'appeler à 20h pour te dire bah viens demain à 9h. C'est possible. Okay. Et je suppose que les mannequins plus célèbres ont énormément de missions bookées, et les mannequins, on va dire, qui sont dans le démarrage, ont une mission en début mars, une dernière en fin mars, et elles ont un petit boulot à côté pour compenser. Je pense que c'est comme ça. Au début, quand on commence, ouais, début, filles, quand elles commencent, elles gardent leur travail ou leur école. En fait, après. Plus elles ont de mission, après c'est elles qui font un choix. Mais ouais, les mannequins connus, après, ouais, ça c'est. Là, elles ont des contrats, ouais, voilà, elles ont plein de trucs et tout, elles peuvent se permettre de choisir, de négocier, etc. Ouais. Après, même quand on débute, j'ai des mannequins qui avaient pas mal de choses quand même. C'est vraiment intéressant. Et puis ça aide de choisir aussi ce qu'elle veut faire. L'avantage avec le mannequinat, c'est que la moyenne que tu es payé pour un job, c'est 500 euros, on va dire, en moyenne. Donc, si tu fais 3 jobs dans le mois, t'as 1500, donc plus que le SMIC, tu vois. Excuse-moi de te couper, quand tu dis le job, c'est quoi? Ça correspond à quoi? C'est la journée. Une heure de shooting, c'est la journée. De 9 à 17, on va dire. 9-18 heures. Ouais. Donc ça fait, ouais, en moyenne 500, des fois c'est le minimum. Que des shootings, c'est ça? Que des shootings ou d'autres activités, elles ont les mains? Non, c'est des shootings, en fait. Un job, c'est un travail, c'est un shooting, en fait. Et là, par exemple, pour la marque, je sais pas, Nike, survêtements Nike. Voilà, ils vont te donner des survêtements et toute la journée, tu vas shooter. Des survêtements bleus, rouges, noirs, casquettes, etc. Tu shoots, tu changes. Vous êtes deux, tu es toute seule. Et on change de décor, on change de truc. Toute la journée, tu fais ça. Et en fait, après, ils vont te mettre sur l'Instagram, sur le site, des trucs comme ça. Et puis voilà, puis ça, tu auras peut-être 700, 800 euros. Et puis voilà, c'est un peu ça, une journée de job, quoi. C'est pour ça qu'il faut être passionné, parce que bah, tu shoots toute la journée, mais c'est cool. On te maquille, on te coiffe, on te truc et tout. Et voilà, mais c'est pour ça que l'avantage, c'est que tu fais 3 jobs, même des jobs à 500 euros, tu en fais 4 dans le mois, ça te fait 2000. T'en fais juste 4, tu vois. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est assez intéressant aussi. C'est le montant que tu es en train de dire. Tu as remarqué, c'est beaucoup pour les femmes, ou aussi les hommes aussi ont la possibilité d'avoir des belles sommes comme ça sur des missions? Les hommes aussi, hein, c'est pareil. Ouais, les hommes aussi. Ouais. Après, les hommes, il y a moins d'opportunités. Je pense aussi. Chose. Les hommes, de toute façon, on voit bien dans les magasins, dans les trucs. C'est les femmes. Si tu compares, c'est les femmes qui vont acheter, les femmes sont plus dépensières que les hommes, donc c'est pour ça que voilà. Et même tu vas dans les magasins, dans les grands centres commerciaux, tu vois plus de femmes, tu as plus de magasins de femmes, enfin voilà, c'est donc forcément il y a plus de marques de femmes, donc il y a plus de demandes de femmes en tout cas. Mais même, excuse-moi de te couper, mais même j'ai envie de te dire, même le métier de mannequin, la beauté, moi je vois plus, comme tu dis, des femmes que des hommes. Par exemple, quand je parle de mannequin top modèle, j'ai des noms de femmes qui me viennent en tête. Mais je connais pas de top modèle homme. Tu sais, c'est ouais, bizarre. Ouais, il y a pas, ouais. C'est, on va dire, c'est une sorte femmes. De. Ouais, c'est un métier pour. Ouais, c'est les femmes sont avantagées sur celui-là, ouais, vraiment. Ouais, ouais, largement. C'est plus même moi, les hommes, je connais pas. Mais ouais, c'est beaucoup plus les femmes. Et puis, en fait, les hommes, c'est. C'est très simple, on va dire. Les femmes, ils peuvent rajouter. Il y a boucles d'oreilles, tu vois, ça peut être des bijoux, il y a lingerie, il y a énormément de, ils ont énormément de choses, énormément de vêtements différents, tout ça. Les hommes, c'est très, enfin, je sais pas, moi je pense que c'est très simple, tu vois. C'est pour ça que tu t'orientes, que j'ai eu plus de demandes de femmes, justement. Ok, voilà, c'est pour ça que j'allais te dire, c'est pour ça que tu t'es orienté sur les femmes, parce que tu as remarqué que les hommes, au final, c'était pas un,
bah, plus de demandes. En fait, c'est automatique, c'est le marché. Donc, j'ai fait pour tout le monde. Ouais. J'ai plus de femmes que d'hommes. Quand j'ai commencé le coaching, bah, forcément aussi, pareil, plus de femmes que d'hommes. Donc, après, je me suis spécialisé. Je dis, bon, ça a rien d'avoir deux, trois mecs de temps en temps, autant faire que les femmes. Bah, tiens, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment tu démarres, en fait, ce métier de, au début, agent, et ensuite pour arriver à coach? Mais comment, c'est quoi la genèse, en fait? Comment ça démarre? Alors, j'ai commencé, moi, quand j'étais jeune, j'étais timide. J'étais grave timide, tout ça. Ouais, je sais, je la connais ton histoire, mais j'ai envie que les abonnés connaissent aussi. Voilà, donc j'étais timide et tout, et j'avais fait un shooting un jour, et je trouvais que c'était bien. J'avais bien aimé le rendu. Le shooting, c'est toi qui a eu l'idée de faire le shooting, ou on te l'a donné? En fait, il y avait un pote à moi qui a fait un shooting avec un photographe où j'habitais vers Provins et tout. Okay. Et il dit, oh, c'était trop bien, tout ça. Et il dit, vas-y, bah, présente-moi le gars, tout ça. Donc, je suis parti aussi faire un shooting. Et en fait, j'ai bien kiffé le truc, j'ai bien kiffé le rendu, tout ça. Mais à l'époque, je manquais, parce que la timidité, ça va avec la confiance en soi, tu vois, le manque de confiance, ouais. Tu vois. Et en fait, bah, quand j'étais timide, je me disais pas, je suis timide, je manque de confiance en moi, ça peut changer, tu vois. Pour moi, c'est normal, c'est dans moi, c'est dans la nature, tu vois. En fait, quand j'ai fait le shooting, j'ai dit, ah ouais, mais en fait, je me trouvais bien, tout ça, et en fait, ça a augmenté ma confiance en moi, tu vois. Je dis, ah ouais, mais en fait, on peut augmenter tout ça, tu vois. Et du coup, j'ai kiffé les shootings, donc j'ai refait un deuxième, troisième, enfin, après, voilà, j'enchaîne des shoots. Et un jour, ma soeur m'a envoyé, il y avait une élection de Mister Mali, comme je suis d'origine malienne, ouais. Sur Paris. Et elle m'a dit, ah tiens, il y a un concours, je sais pas quoi. Donc, je me suis inscrit, je suis parti au casting, tout ça. Et j'ai été pris dans les. Tout ça la même année, hein, entre le shooting et. Non. Alors, par contre, le temps, je sais pas, c'était vers. Mister Mali, là, c'était 2015. Ok. Après, le shooting, c'était avant, ouais, peut-être 2014, peut-être, tu vois, j'ai fait… Ouais, donc, à peu près en un an, tu as un peu ce changement qui arrive, quoi. Ouais, un an, deux ans, peut-être, ouais, un truc comme ça. Et après, ouais, je fais l'élection. Histoire tout ça, voilà, donc c'était cool. Après, pareil, on fait des répétitions, il y a de la danse, il y a du discours, il y a plein de trucs et tout. Et l'élection… Paris, c'est au Mali. Comment? C'est sur Paris ou c'est au… Ouais, non, c'est à Paris, c'était Mister Mali, mais c'était Mister Mali France, tu vois, c'était les Maliens, okay. De France, en fait. Donc, ça s'est passé à Paris. Le jour de l'élection, c'était bah, du coup, tu es sur scène. Il y avait en plus, c'était la première. En fait, il y a beaucoup de Miss et Mister de plein de pays. Tu vois, en France, il y a France, parce qu'on est en France, bien sûr, mais il y a tous les pays, Cameroun, enfin, Égypte, Espagne, Algérie, etc. Il y a beaucoup de Miss. Et là, c'était le premier Mister, tu vois. Okay. Du coup, c'était mal. Et du coup, ça a fait un buzz de ouf. Avant, il n'y avait pas, c'était pas Insta, tout ça, c'était vraiment Facebook. Sur Facebook, ça avait fait un gros buzz, tout ça. On était sur Trace Africa et tout, c'était un truc de ouf. Et du coup, on avait ouais, 1 000-1 500 personnes qui sont venues dans la salle. Wow. L'élection, c'était un délire. Et du coup, là, il fallait faire un discours. Face de toi, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. Et surtout le discours. Après, quand il y a la danse, des trucs comme ça, il y a beaucoup de monde sur scène. Donc, ça va, tu vois. Mais en fait, quand tu fais des discours, on t'appelle, t'arrives et t'es là et tout le monde te regarde et attend que tu parles, tu vois. Ouais. Et voilà. Et là, ça. Et après, bon, j'ai géré, tu vois. Et là aussi, ça renforce la confiance en moi, tout ça. Mais après, en fait, moi, c'était pas mon. J'aimais bien ce truc-là, c'était pas mon délire, tu vois, de continuer dans ces trucs-là et tout. Donc, je me suis dit, j'aimais bien quand même. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aider les gens qui veulent devenir mannequin, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais tester. Parce que j'avais une pote qui aidait aussi des gens à devenir mannequin, qui faisait des formations de photos, tout ça. Et voilà, j'ai parlé un peu avec elle, tout ça. Et j'ai dit, ah, tiens, pourquoi pas faire ça. Donc, j'étais un peu avec elle, je regardais un peu ce qu'elle faisait, tout ça. J'allais avec elle de temps en temps. Et je voyais que les gens. En fait, souvent, c'était la confiance en soi, les filles, tout ça, qui manquait et tout. Et voilà, je dis, ah bah vas-y, pourquoi pas les aider aussi, tu vois. Et après, c'est là que j'ai commencé à faire des petits trucs, enfin des trucs, ça marchait pas au début. Je voulais faire agent direct, tu vois. Donc, ouais. J'ai commencé à contacter les gens sur Insta. Ouais, voilà, je suis agent. Je viens bien ton profil, en gros. Est-ce que tu veux bien je t'aide à devenir mannequin, là. Et bon, j'ai plein de vues parce que dans mon compte, j'avais rien, tu vois. C'était vide. Il y avait que des photos de moi. Donc, les filles, elles m'ont dit, mais attends, c'est encore un mec bizarre, je sais pas quoi. Donc, il y a plein de filles qui me répondaient pas. Après, j'ai réussi quand même à la voir. Et après, voilà, au fur et à mesure, on a fait des shootings et tout. Et après, comme ça, j'avais du contenu pour les réseaux, pour Insta. Et du coup, là, les gens ont vu que je faisais ça. Et après, voilà, petit à petit, ça a pris comme ça. Et après, quand j'ai eu les premières personnes, après, c'était pas des top, voilà. Mais j'ai quand même fait des choses avec elles. Donc, j'ai quand même elles ont fait des petits défilés par-ci, par-là, des trucs gratuits, tu vois. C'est vraiment le début, tu vois. Des trucs qui n'étaient pas rémunérés. Voilà, ça faisait du contenu, tout. Quand tu démarres ça, parce que quand tu as dit, tu as démarré, tu n'avais pas beaucoup de photos, tu n'avais pas grand-chose, tu démarres un peu à zéro, tu le fais un peu à l'audace, un peu, tu le fais, voilà, ouais. J'ai envie de
coach, il faut que je démarre. Mais tu avais des contacts un peu pour, par exemple, pour la mannequin qui est amateur pour qu'elle fasse son premier book ou son premier défilé. Comment ça se passe? Comment tu arrives à le faire pour elle, en fait? J'étais avec ma pote là qui faisait. Qui apprenait les gens, en fait, pendant les shoots, ce qu'elle faisait, c'était que pendant les gens venaient, il la payait, et en fait, elle apprenait à poser, tu vois. Voilà. Et moi, j'allais dans ces trucs-là, j'allais voir un peu comment ça se passe et tout, j'étais avec elle. Et du coup, elle avait des contacts de photographes, tout ça, elle faisait aussi un peu agent, elle avait des quelques filles aussi en agent. Et c'est elle, en fait, qui m'a appris, qui m'a expliqué les trucs et tout. Et du coup, grâce à ça, c'est là que je me suis dit, vas-y, je veux me lancer. Et c'est là aussi, c'est ça qui m'a aidé justement à. Qu'elle avait des contacts, des photographes, tout ça, tu vois. Et c'est là que j'ai voulu faire ça aussi, tu vois. Okay. Et voilà, mais avec ma propre sauce, bien sûr, parce que de toute façon, on est différents. C'est ce que c'est beaucoup. C'est pas que du pratique, en fait. C'est aussi l'accompagnement des filles, tu vois. L'accompagnement des personnes. Comment tu les accompagnes, comment tu leur parles. C'est aussi c'est beaucoup de relationnel, en fait. Tu vois. Du coup, ça, on est tous différents. On n'accompagne pas la même personne de la même façon, tu vois. Donc, comment c'était à tes débuts? Comment tu trouvais le milieu là, quand tu passes un peu, on va dire, derrière la scène et tu vois un peu l'envers du décor? Ça te plaisait toujours un peu de cet aspect relationnel, manager? Moi j'aime bien ça, ce côté, comment dire, le relationnel, aider les personnes à sortir, à réussir en fait quelque chose, ça j'aime beaucoup. D'ailleurs, avant d'être agent, j'étais. Éducateur spécialisé, je travaille dans un établissement qui accueille les adolescents qui sont placés par le juge. Des adolescents en difficulté, pas forcément que de la délinquance, mais des gens qui ont des problèmes avec leur famille, leurs parents, tout ça. Du coup, je les aidais justement à se réinsérer, on va dire, dans la vie, aller à l'école, trouver des patrons, etc. Donc, j'ai toujours été dans ce truc-là d'aide. Et là, dans le mannequinat, je suis tombé sur le mannequinat. Après, je pense que ça aurait été autre chose, j'aurais été dans autre chose, mais là, j'étais tombé sur le mannequinat. Donc, c'est ça, peut-être après, je ferai autre chose. En tout cas, là, c'était mannequinat. Du coup, mais c'est surtout. C'est l'aide, en fait, de prendre une personne d'un point A et de l'aider à atteindre son objectif dans point B. Donc, même si je ne me connaissais pas dans le milieu du mannequinat, c'était un peu un problème. Même là, je n'ai jamais été mannequin, etc. Mais c'est pas un problème, en fait. C'est pas ça qui est important. C'est comme Mourinho dans le foot. Mourinho n'a jamais été joueur de foot pro, mais il entraîne. C'est l'un des meilleurs entraîneurs du foot. Ouais. Tu vois. Donc, c'est pas forcément. Il faut forcément savoir faire le truc. C'est un plus. C'est bien, mais c'est pas obligé, en fait. Donc, alors, arrivons sur la partie maintenant agent de mannequin. Donc, ouais. Ça y est, tu commences à faire tes premiers pas. Comment ça se passe, en fait, ce business d'agent de mannequin? Est-ce que tu peux l'expliquer un peu plus en profondeur pour les abonnés qui ne connaissent pas trop ce milieu? Et peut-être peut-être ça peut donner envie à certains de développer cette activité, on ne sait jamais. Ouais, alors agent, en fait, ça fonctionne. Un peu comme un agent de foot. Donc, tout le monde connaît à peu près l'agent de foot. Et en gros, tu recrutes quelqu'un pour le placer dans un. Enfin, en foot, c'est ça, tu recrutes pour le placer dans un club. Mais l'agent de mannequin, c'est pareil. En gros, je recrutais une mannequin pour la placer dans une agence. Donc, mais après, il faut la développer. Parce que s'il y a une mannequin, en général, les mannequins, elles sont pas en agence. Moi, je pensais qu'ils étaient pas en agence. Et je regardais un peu leur profil. Et s'il y avait du potentiel. Et là, il fallait qu'elle fasse tout ce qu'il faut, des photos, les vidéos, etc., pour pouvoir intégrer une agence. Et en fait, voilà, c'était ça mon rôle, les aider et après les placer en agence. Il est où ton vivier, en fait? Comment tu les recrutes? C'est sur Instagram, c'est ça? Tu as des hashtags spéciaux et tu as une liste de filles qui arrivent et tu regardes et tu dis, ah, tiens, celle-là, j'aimerais bien l'avoir. Non, c'est de la recherche, hein, c'est Insta, parce qu'après, en fait, de toute façon, comme c'est très niché, c'est très ciblé, en fait, ces filles-là, les mecs-là, ils sont sur le même truc. Si tu vas sur un compte d'une agence de mannequins, il y aura pas de plombiers, par exemple, qui vont sur les trucs. Tu vois, il y aura que des gens qui sont intéressés par le mannequinat. Enfin, si tu n'es pas intéressé par le mannequinat, tu ne vas pas aller sur une page du mannequinat, tu ne vas pas mettre des commentaires. Tu vois. En fait, c'est par rapport à ça. Donc, sur les comptes des agences de mannequins, tout ça, les comptes de photographes qui sont spécialisés dans le mannequinat, il n'y a que des gens qui sont intéressés. Donc, c'est là, tu regardes, tu cliques sur une. Tu regardes et puis après il y a sa pote et puis après il y a d'autres et puis c'est pas mal plein de comptes et en fait c'est comme ça que tu vois un peu les filles qui sont ou les mecs aussi qui étaient dans le milieu du mannequinat qui sont intéressés quoi. Donc en fait c'est assez simple en fait à trouver. Et donc comment ça se passe? Donc tu arrives, tu en vois une, tu dis ah, pas mal, j'aime bien ce qu'elle dégage, les photos sont bien prises, elle a du charisme, elle a du potentiel, elle n'est pas vraiment signée en agence. Comment t'es arrivé en fait? Comment tu te présentes? Comment ça se passe? J'ai changé plein de fois de messages parce que tu connais sur Insta, faut démarrer, faut faire un message et tout. Donc,
je me présente rapidement. Voilà, bonjour, je suis Gaussou, je suis agent de mannequin. Ce que je disais à l'époque, en gros, je voulais que voilà, elle a du potentiel et j'aimerais la recruter. Enfin voilà, genre savoir si elle avait déjà un agent ou une agence, tu vois. Donc ça, c'était le premier message. Okay. Ça, elle me disait non, pourquoi ? Et non, je disais ah, parce que moi, je suis agent et voilà, je recrute des filles, tout ça. Et, est-ce que ça pourrait t'intéresser ? Après, si elle me dit oui, et bah voilà, on prend discuter au téléphone. Et là, au téléphone, je lui explique et je lui dis voilà, c'est du sérieux, il y a un contrat, il y a ci, il y a ça, tu vois. Je lui explique vraiment comment c'est. Mais bon, beaucoup m'ont laissé en vue, ne répondaient pas. Ils sont revenus 3 ans après. Même il y a 4-5 jours, j'ai un message d'une fille qui est venue, qui était venue 3 ans après. Enfin, on avait parlé il y a 3 ans, 2021, et là, elle a envoyé un message, ouais, je suis intéressé. Enfin, il y en a plein, en fait, c'est comme ça. Maintenant, ça me choque plus. En fait, j'ai envoyé des messages, elle voyait mon compte, c'était rien. Et en fait, peut-être, elle se retrouve sur mon compte et elle retourne dans la conversation et elle voit qu'on avait déjà parlé, mais qu'elle m'avait laissé en vue. Et du coup, soit elle me dit des excuses, ah, désolé, j'avais pas vu, ou enfin, bref, mais en tout cas, ouais, voilà, il y en a plein qui me répondaient pas, mais il y en a certaines qui me répondaient. D'autres qui me disaient là, qu'elle était pas intéressée, d'autres qui disaient que j'étais déjà des agents, etc. Mais voilà, c'était pas évident. Mais voilà, après, il y a toujours des, toujours, il faut juste une personne. Après, voilà, tu fais le travail avec elle, voilà, on met des stories, on fait des posts, des trucs, et puis après, voilà, ça incite d'autres. Et puis elle, après, il y a peut-être sa copine, etc. Et voilà, quoi. C'est le début qui est dur. Maintenant, c'est plus compliqué pour moi de recruter, mais avant, ouais, c'était compliqué. Ok, donc c'était plein de DM, plein de conversations jusqu'à arriver à une possibilité de recrutement, quoi. Voilà, c'est ça. Après, on se téléphone, après, on se voyait, parce qu'il fallait, okay, que je le voie aussi pour qu'elle voit un peu. Bah, qui je suis, tu vois, parce que c'est vrai que sur les réseaux, on ne sait pas trop, ouais, mais attends, parce que dans ce milieu-là, il y a beaucoup d'arnaques et beaucoup de trucs bizarres. Donc, du coup, au téléphone, ensuite, nous rencontre, et après, je redis ce que j'ai dit au téléphone, mais en vrai. Et puis après, voilà, je présentais le contrat, pareil, et voilà, elle signait les contrats, et puis après, on démarrait, et voilà. C'était quoi ce contrat que tu passais avec eux ? C'était un contrat, contrat d'exclusivité. En fait, elles n'avaient pas le droit de signer avec un autre agent, déjà, ouais, en France. Ok, donc, enfin dans le monde même, donc elle n'avait pas le droit de signer avec un autre agent, c'était un contrat d'un an qui était renouvelable. Et puis après, il y avait d'autres conditions, voilà, qu'elle devait, enfin des conditions, des choses qu'elle devait faire elle et puis que moi aussi, quoi. Tu vois, je devais mettre tout en œuvre pour qu'elle puisse signer en agence et puis voilà, et elle qu'elle devrait être aussi, être sérieuse, voilà, être à l'écoute, répondre aux messages, etc., etc. C'était un peu un contrat comme ça. Et puis après, on démarrait la collaboration, les shootings, tout ça. Et puis après, j'essaie de les passer en agence. Et puis voilà. Et aussi, moi, je prenais 10% de ce qu'elle prenait en agence. Okay. Donc, c'était ça aussi. Au niveau du business, comment ça se passait ? Parce que tu dis, elle faisait des shootings, mais ça coûte de l'argent. Comment ça se passe ? Ouais, alors, soit elles investissaient elles-mêmes. Donc, ça, je leur disais dès le début, avant de signer le contrat. Donc, je disais, voilà, moi, je peux t'aider, mais c'est à toi d'investir dans tes propres shootings. Parce que beaucoup d'agents font des scénarios comme ça. Donc, tu dis, bah, je fais fonctionner comme ça. Parce que c'est vrai que c'est un nerveux. Au début, en fait, on peut pas, à part si ça a beaucoup d'argent, mais investir dans les filles comme ça, c'est compliqué. Shooting à 300 euros, 400 euros à chaque fois, tu, ouais, t'en fais 3, 4, 5, puis en fait la fille elle arrête, elle en a marre, voilà, t'as mis 1500 euros dans le shooting, après hop, elle part, bah du coup t'en recrutes une autre, tu remets, tu sais, c'est compliqué. Donc moi je disais, ouais, elles investissent elles-mêmes, voilà, ou alors des fois on s'arrangeait, j'ai avancé, à rembourser, enfin voilà, au premier job on prenait, enfin tu vois, il y avait toujours un arrangement, mais voilà, ou alors elle payait la moitié, je payais la moitié, et puis on remboursait plus tard, voilà, des choses comme ça, après pour la maquilleuse, voilà, on trouvait toujours un arrangement, sinon c'était elle de base qui, enfin dans le contrat, c'était elle qui devait payer ses shootings et tout. T'avais pas un ami à toi qui faisait qui était photographe, tu aurais pu t'arranger ça? Non, bah en fait les photographes, pour être dans le milieu du mannequinat pro, faut travailler avec des pros, des très bonnes qualités. Et les pros, c'est leur métier, donc ils peuvent pas faire du gratuit en fait, c'est leur taf, tu vois. Donc, toi, t'es coach, tu peux pas coacher tous tes potes gratuits en fait, ça sert à rien, ouais. Sinon comment tu vas gagner ton argent, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça. Il y en a qui font gratuit, mais bon, c'est des. Ils sont pas top, c'est des débutants, tout ça, donc ils veulent apprendre, donc eux aussi, bah, ils font du gratuit, mais quelqu'un qui est déjà à haut niveau, bah ouais, non. Parce que les agences, elles veulent vraiment des photos pro direct, quand tu leur montres sur le book, il faut que la photo soit. Ouais, ils veulent de la qualité, hein, sinon c'est mort. Ok. Voilà. Et donc, alors, tu démarres cette partie-là, ça dure combien de temps, un jour à peu près de mannequin ? Oh, j'ai fait ça peut-être 4 ans. Ah ouais, 4 ans. T'arrivais en ville, c'était comment ? Ça se passait bien et tout ? Je travaillais à côté. Ouais, ok. Je travaillais à côté. Ouais, non, je ne vivais pas que de ça. Je travaillais à côté. C'est quand j'ai, ouais, commencé du coaching que, ouais, là, j'ai commencé à en vivre, mais que d'agent, non. Parce que mes mannequins n'étaient pas. Enfin, j'en avais une dizaine pourtant à un moment. Mais voilà, c'est trop aléatoire, en fait. Parce que, bah, comme je dis, c'est de l'intérim. Des fois, elle est appelée, des fois, elle n'est pas appelée. Des fois, une. Parce que j'avais peut-être une dizaine, mais qui était prête. À chaque fois, il y en avait peut-être trois, deux, trois.
Il y en a qui sont en vacances, il y en a qui étaient à l'école, il y en a qui passent des examens, donc pendant un mois, ils sont plus là. Il y en a qui sont des problèmes de famille, il y en a qui, enfin, il y a toujours des choses, d'autres qui veulent arrêter, d'autres, c'est très, très compliqué de gérer l'humain. Malgré les contrats, malgré tout ce que, toutes les obligations qu'elle doit faire, il y en a certains qui te les mettent, qui te la mettent. Ouais, il y en a qui sont pas là, en fait, c'est compliqué, l'humain, c'est compliqué, hein, de gérer les êtres humains, donc, il y en a qui sont pas là, qui sont, parce qu'en fait, faut être patiente aussi, faut avoir de la, c'est très difficile. En fait, c'est comme le foot. J'aime bien qu'on parle au foot. Parce que tu peux avoir 10 talents. Comme on en parlait. Dans les 10, voilà, il y en a peut-être qu'un qui va percer et encore, tu vois. C'est très dur parce que c'est pas que le. Au foot, c'est pas que le talent. Au mannequinat, c'est pas que la beauté. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a eu des chagrins d'amour. Donc, les filles avec leurs copains, c'est fini. Donc, bah voilà. En plus, elles sont jeunes en général. Donc, bah, ok, elles disparaissent, elles vont pas bien. Problème familial. Enfin, énormément de choses. Et du coup, elles sont plus dedans et du coup, elles arrêtent. Puis des fois, elles reviennent et puis elles repartent. Et puis, elles doivent faire des choses, mais elles ne le font pas. Des polas, des trucs, des... Enfin, voilà, tu vois, il y a des choses qui... C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, voilà. Et c'est celles qui sont le plus déterminées, qui en veulent le plus, qui réussissent. Et ouais, il y en a plein. Leur dit de faire des choses. Il y a une agence, par exemple, une fois, m'avait demandé une... Non, ouais, une agence en Italie pour une défi de mannequin pour la marque Ray-Ban, des lunettes. Donc, il voulait... a été présélectionné. Et il voulait qu'elle fasse une vidéo avec des lunettes pour voir, voilà, une vidéo de 15-20 secondes, tu vois, parce que c'était pour une pub en Italie et pour voir un peu. Et tu vois, quand une agence demande ça, il faut le faire tout de suite ou dans les 24 heures, tu vois, parce qu'ils vont demander ça à plein d'autres filles. Okay. Si t'en vois pas, ils s'en foutent, ils doivent prendre autre chose. Donc, je lui ai dit. Et bah, elle a pas fait, tu vois, c'était une petite vidéo, elle prend des lunettes, elle joue avec, elle sourit, elle fait des trucs, tu vois, parce que voilà, c'est le truc. Un petit truc avec son téléphone, elle envoie, elle a pas fait. Et du coup, elle n'a pas été sélectionnée logiquement pour le job, tu vois. Et c'est des trucs comme ça, en fait. Des fois, tu as des agences qui demandent des trucs et tout, et elles le font pas, tu vois. Ou alors, j'ai une fille, par contre, elle l'avait fait. Ils ont demandé des selfies, enfin, des photos de ses mains et de ses pieds. Parce que c'était pour un job de détail, tu vois, détail main, détail pied. Elle était dans le train. Donc, elle a pris son téléphone, elle a fait dans le train, la main, tu vois, ça, c'est cool. Après, pour les pieds, elle est sortie. Quand elle est sortie du train, elle est partie dans les toilettes, elle a fait ses pieds, elle a envoyé tout ça, tu vois. Et ça, c'est des filles qui sont déterminées, qui en veulent, tu vois. Et voilà, il faut pas attendre 2 semaines pour envoyer un truc, ou t'envoies, tu dis, ouais, je vais t'envoyer. Dans 4 jours, il n'y a rien. Après, elle se plaint que, ouais, mais en fait, j'ai pas de job, mais oui, parce que tu n'envoies pas des trucs. En fait, c'est un peu compliqué. En fait, derrière elle, il faut leur faire la. En fait, on est un peu comme, bah, je te dis, comme les parents, en fait, des mannequins, tu vois. On est là pour leur dire, fais ci, arrive à l'heure, fais ça, etc. Voilà, quoi. J'ai un mannequin qui a été pris pour Gucci à Londres. J'ai fait des stories, tout ça dessus. Premier jour, il y va. Il arrive 20 minutes en retard, tu vois. Ça, ah, c'est un homme, là, c'est bon. Comment? Ah, c'était un homme que j'avais vu. Okay. Je me mets en retard le lendemain, je me réveille le matin, je vois des mails en anglais, des gros caractères, where is, avec le nom de mon mannequin, tout ça, et je l'appelle et tout, je vois, en fait, j'ai compris qu'il était en retard avec le job, tu vois, il était 2 heures en retard, tu vois, en plus, deux heures en retard, et du coup, il est parti avec Gucci, bah, Gucci, ils avaient déjà appelé quelqu'un d'autre, bah, il s'était fait, bah oui, Gucci, là, il avait kiffé son profil, après, j'ai fait la morale, j'ai parlé, il avait 19 ans, je m'attends, j'ai dit, mais Gucci, plein de gens vont travailler avec Gucci gratuit. Ils sont même prêts à payer de leur poche pour travailler avec Gucci. Toi, c'est Gucci qui t'appelle et te paye. Et toi, ils t'ont kiffé, ils allaient te prendre une troisième fois et toi, t'arrives 2 heures en retard et tout. Et tu me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ouais, mais en Angleterre, il me dit, ouais, j'avais des problèmes de connexion, je sais pas quoi. Enfin, des excuses, tu te sors au professeur, tu vois, mais je m'en fous de ces excuses-là. Bien, Gucci, tu vas, t'arrives 1 heure avant, t'attends devant. Bien sûr. Et tu vas dans un bar à côté, il n'y a pas de retard. C'est clair, tu dors devant la porte. Bah oui, c'est impossible, tu peux pas arriver. C'est impossible, t'as une journée où tu dois être carré pro, je peux te dire que normalement, si t'es pépère, tu es carré pro, hein, c'est clair. Non, tu prends un Uber, j'en sais rien. Un hélicoptère, j'en sais rien. C'est ça. Mais c'est un retard, en fait, c'est souvent en retard. Il y a des gens comme ça. Et il y a des gens, ils n'arrivent pas. Ouais, c'est vrai. Mais je dis, là, c'est pas l'école. À l'école et tout, ouais, tu rigoles, tes profs, ils te mettent en perme, je sais pas quoi. Okay. Là, je dis, c'est le job. C'est pro. C'est Gucci. Ouais. C'est du Gucci, ils t'appellent. Peut-être que c'est un job comme ça. Après, peut-être que tu vas faire une pub pour un parfum. Ouais, c'est un truc de ouf. Gucci dans ton CV, c'est une dinguerie, tu vois. C'est pas n'importe qui. Tout le monde qui kifferait être avec Gucci. Donc, il n'y a pas de retard. Je sais pas. Non, là, tu vas, tu arrives 1 heure en avance, tu attends devant, s'il pleut, tu t'en fous. Ouais. C'est Gucci. Voilà, j'ai dit ça après et ouais. Mais ouais, après c'était trop tard. Quand je vois, j'en parle tout le temps parce que il le sait que c'était un truc de ouf ce qu'il a. On en parlait hors antenne des détails, tu sais, on parlait du foot, comme quoi il y en avait qui avaient du potentiel et qui,
qui n'étaient pas vraiment sérieux, qui venaient en retard à l'entraînement, qui n'ont pas réussi, et d'autres, au contraire, qui n'avaient pas forcément de potentiel, mais qui étaient très rigoureux à venir à l'entraînement à l'heure et qui, au final, ont réussi. Et ça m'a fait penser aussi à un autre exemple. C'est dans le milieu artistique, c'était le rappeur Booba, où je discutais avec, c'était en studio, je ne sais plus quoi, ou peut-être en interview, j'avais regardé sur YouTube. C'était un beatmaker, un producteur de musique qui disait que Booba, en fait, il avait une particularité, c'était qu'il était toujours à l'heure. Et quand il arrivait en studio, il disait que le gars était archi prêt. C'est-à-dire qu'il ne venait pas en studio pour écrire ou... Non, c'est-à-dire que ses textes étaient déjà prêts. C'est-à-dire que tu mettais le micro et il disait il a rarement vu Booba refaire des prises parce qu'en fait, le gars arrivait tellement prêt, tellement à l'heure que limite, il faisait deux, trois petits détails, mais c'était carré, c'était pro, en fait. Ouais. C'est là que tu vois la carrière qu'il fait derrière, quoi. Et pourtant, il a démarré plus loin que les autres. Ça joue dans ces détails-là, tu vois, c'est des petits triggers, arriver à l'heure, être très pro, être très carré, et comme ça, ça te permet d'avoir d'autres jobs, des passerelles, C'est des choses qu'on néglige, des petits détails, en fait, on pense que c'est quelque chose, mais en fait, ces petits détails à longue, ça fait des trucs de ouf, fait des différences de fou, comme le résident que tu vas parler du joueur de foot, qui était régulier, toujours pareil, au début, il était peut-être pas très bon, mais il continuait, les autres étaient forts, du coup, ils en profitaient, ils étaient pas sérieux en entraînement, ils venaient peut-être pas. Lui, il continuait dans son petit truc et tout. Et en fait, il a été plus vite, quoi. Ça me fait penser à les courses quand on voit, une tortue contre. Le lièvre, c'est ça qui court. Tu vois, et en fait, c'est exactement ça, en fait. Et les gens que tu viens de dire avec Booba ou même dans le mannequinat, c'est pareil. C'est dans tous les domaines, en fait. C'est les gens qui sont le plus réguliers. Voilà. Même s'ils ne sont pas extraordinaires, mais ils sont juste réguliers, ils sont dans la même ligne tout le temps. En fait, ils iront plus loin que les autres qui avancent, qui reculent, qui font n'importe quoi, et c'est ça. Toi qui es un peu qui est dans ce milieu-là maintenant, qui a bien baigné, qui a de l'expérience dans ça, quand tu vois un peu les mannequins top modèles internationales, qu'est-ce qu'elles ont en plus par rapport aux autres? Parce que on va dire que niveau de beauté, ça ne joue plus qu'à ce niveau-là. Elles sont toutes belles. Elles ont toutes le beau physique, elles sont toutes belles, toutes photogéniques. Comment ça se fait que tu en as quand même qui arrivent à être le top du top, le 2%? Et tu en as encore d'autres qui, je ne vais pas dire qu'ils galèrent, mais qui sont un peu comme les joueurs de foot. Tu as les pros, mais tu as aussi l'élite. Comment ça se fait qu'il y ait une différence? Pour toi, c'est quoi qui fait une mannequin qui devient la top modèle, l'élite, en fait? Tu as le travail, tu as la chance, mais en fait, la chance, c'est avec le travail. Je pense que c'est. J'ai pensé, j'aime bien prendre les jambes du foot. Cristiano Ronaldo, par exemple, là, il a 38 ans, je ne sais pas quel âge, il joue encore. Il marque encore des buts, etc. Et lui, c'est le travail à 300%. Peut-être que ce n'était pas le meilleur quand il était plus petit, mais c'est le travail, c'est un acharné du travail. Et du coup, c'est ça qui fait que des fois, il a de la chance, des fois, il met des buts sortis de nulle part, etc. Parce que c'est le travail. Et le mannequinat, c'est pareil, en fait. Celles qui réussissent, bon, la beauté, voilà, des fois, tu vois des filles dans la rue, elles sont même plus belles que celles que tu vois là. Ouais, c'est vrai. Parce que elles sont là, elles ont été patientes, elles ont été persévérantes. Et puis voilà, en fait, elles sont restées humbles aussi, la plupart. Parce que des fois, tu te retrouves, j'ai une mannequin qui marchait pas mal. Et elle, par exemple, des fois, elle se retrouvait, elle est partie à Dubaï. Première fois, elle est partie à Dubaï à 18 ans. Et elle est partie faire un shoot et tout. Elle parlait pas anglais et tout ça. Et c'est mal passé le shoot parce que, elle était débutante et du coup, elle gérait pas pour l'équipe. Ils lui ont dit de revenir le lendemain, mais pour regarder. Tu vois? Donc ça, faut regarder les autres filles. Parce qu'il y avait une autre fille qui shootait pour regarder. En fait, elle a passé une journée à regarder. Donc, bien sûr, ça fait mal, mais elle l'a fait. Il y a plein de personnes, ils ne sont pas capables de faire ça. Et une autre fille, pareil, on lui a demandé ça aussi en Turquie, mais elle a pété les plombs. Elle a dit, mais attends, comment ça? Je fais du mannequinat depuis longtemps. Moi, je ne peux pas regarder les autres faire du mannequinat, je sais comment faire. Tu vois. Oh, l'ego. Voilà. En fait, ça, c'est super important. Donc, elle est partie, elle s'est assise, elle a regardé les autres filles shooter, tu vois. Et en fait, c'est plein de petits détails comme ça qui font que tu réussis plus que d'autres. Parce qu'après, tu as de la patience, tu as la persévérance, tu vas bien te comporter aussi. Quand tu es en studio avec toute la journée, tu n'es pas tout le temps avec ton TikTok. Non, tu parles aux gens, tu rigoles, etc. Donc, les gens se rappellent de toi. Les gens vont parler de toi peut-être à droite, à gauche. Par exemple, tu as fait un truc avec un styliste. Le styliste travaille aussi pour une autre marque. Donc, un jour, il va penser à toi parce que c'est bien comporté. Il va dire, ah tiens, moi, j'ai une fille, tac, il va te contacter. Tu vas aller. Et l'autre, après, pareil, etc. Et en fait, c'est comme ça que tu commences à te faire un nom. Comme ça que les gens commencent à dire, ah, mais elle est bien, elle est cool. Voilà, on a bien travaillé avec elle. Et du coup, les gens vont vouloir travailler avec toi. Et puis voilà, c'est les relations. Et dans tous ces trucs-là, tu fais plein de relations. Du coup, tu as plein de trucs, tu as plein de contacts. On peut te contacter à droite, à gauche. Et puis tu te comportes bien. Et puis voilà, tu te déplaces, tu fais les choses. Et puis voilà, même des choses gratuites. Parce que c'est ce que je dis aux filles aussi. Des fois, on vous dit non parce qu'on ne vous paye pas.
Je dis, mais t'as rien fait encore. Pourquoi tu veux pas? Vas-y gratuitement. On sait jamais ce que ça peut t'apporter. Tu vas faire des contacts et tout. Peut-être t'auras rien, mais c'est pas grave. Mais fais-le gratuitement. Peut-être que lui va te rapporter un truc dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Tout ça. Mais il finit, non. Elle commence là. Elle veut un job à 500 euros. Direct. Mais non. Peut-être tu vas faire un truc gratuit. Tu vas faire un truc dans un quartier. Tu vas défiler dans un quartier pour une fête de village, je sais pas quoi. C'est pas grave. Fais, mais après tu vas grandir. Au bout d'un moment, tu feras plus. En fait, avec les réseaux, comme on voit que tout le monde réussit vite, ouais. Elles veulent réussir vite. Elles veulent directement premier défilé Fashion Week pour Versace. C'est pas comme ça. Déjà défile dans la fête de ton lycée. Déjà, c'est déjà bien, tu vois. Et on ne te paye pas, tout ça, fais ça. Et puis après, fais la fête de ton village, de ton quartier. Après, fais la fête de ta ville. Et peut-être après, tu auras d'autres choses. Mais non, elles veulent aller très vite. Et je pense que celles qui réussissent, c'est celles qui savent que chaque chose dans son temps. Et c'est pas une course. Voilà, on y va tranquillement. Et ça viendra quand ça viendra. Ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 5 ans. Mais en fait, les filles, elles sont trop pressées. Et au bout d'un mois, il y en a 3 semaines. Elles me disent, ouais, Gaussou, 3 semaines, j'ai toujours pas signé en agence. Là, ça fait 3 semaines. Il y en a, ils entendent 2 ans. Toi, ça fait 3 semaines, t'as pas signé. Tu t'inquiètes, tu vois. Et voilà, en fait, elles veulent tout de suite. Et du coup, bah, ça marche pas parce qu'à bout d'un mois, elles abandonnent. Et celles que tu vois à la télé, tout ça, c'est celles qui persévèrent. Et du coup, au bout d'un moment, quand t'es comme ça, tu lâches rien, t'as toujours de la chance. T'as toujours de la chance, c'est obligé. J'ai une fille, par exemple, qui se travaillait. Au début, c'était dur. Elle avait rien, pas de job, tout ça. Elle n'avait marre. Elle travaillait en intérim. Elle allait dans l'agence, où elle allait quand même passer en agence. L'agence, elle allait lui faire, elle faisait marcher pour apprendre à bien marcher, tout ça. Elle y allait, ça l'a saoulée. Elle travaillait pas juste pour marcher là. Elle était en galère d'argent, tout ça, mais elle y allait. Elle faisait ça pendant 1 an, rien. Et elle continue, elle continue, elle continue, elle continue. Et maintenant, elle fait Armani, elle fait Versace, elle est tout en voyage et tout. Elle gagne très, très bien sa vie. Grâce à tout ça. Un jour, je ferai une interview avec elle, je pense. Elle est un peu timide. Ouais, il faut. Un peu timide, toi, c'est, mais je la convainque. Et parce qu'elle a jamais, jamais, jamais rien lâché. Et je lui dis, ça, c'est passionné. Ouais. Je lui dis, mais t'inquiète pas. Elle me dit, ouais, mais ça me saoule et tout. Elle pleurait et tout ça. Je dis, ouais, je viens. Parce qu'elle disait non. Parce qu'en fait, l'agence lui disait d'être prête tout le temps, on ne sait jamais. Donc, elle avait des missions d'intérim. Mais elle disait non à ses missions d'intérim pour rester chez elle pour attendre que l'agence l'appelle. Mais l'agence ne l'appelait pas. Du coup, elle était là. Je dis, mais vas-y, va travailler et tout ça. En fait, tu vois, j'étais grave derrière elle. Tu vois, on parlait beaucoup et tout. Et c'était compliqué. Mais elle a toujours continué. Maintenant, Armani, elle a fait d'affilée Armani en Italie à Fashion Week. Armani, elle avait kiffé toutes les filles. Hein, et du coup, il les a invitées à défiler à Dubaï, dans son hôtel qui est à Dubaï pour fêter, je sais pas quoi, comme anniversaire et tout. Et toutes les filles, d'où elles venaient, ils ont payé tout. Une semaine à Dubaï, hôtel, tout. Enfin, ils étaient dans leur hôtel. Et puis, ils se défilaient là-bas, tout ça. Enfin, nickel, quoi. Et maintenant, elle fait plein de marques. Elle travaille presque tous les jours, tout le temps. Et elle gagne très, très bien sa vie. C'est beau. Parce qu'elle a galéré de ouf. Tu vois. Et ça, s'en rappelle. On en parle, il y a 2-3 semaines, on était au téléphone. Et on en parle, on en rigole, tu vois. Et parce qu'elle a eu cette mentalité-là. Il y en a plein qui ne l'ont pas. C'est extrêmement rare. Ouais, c'est clair. Mais par exemple, cette fille-là, elle galère pendant combien de temps? Elle a galéré pendant combien de temps? Peut-être un an et demi, peut-être. Un an et demi de galère, ouais. Ah, rien. Rien de concret. Oh là là. Un truc par-ci, par-là. Elle faisait de l'intérim à côté. La fille que tu as dit tout à l'heure, tu as pris un exemple qu'elle a posé, mais elle ne parlait pas bien anglais, et on lui a dit, vas-y, reviens, mais juste regarde les mannequins, comment elles font. Elle est devenue quoi? Elle a appris en regardant les autres, alors ça, ah oui, ça, oui, ça... oui. Bah oui, bien sûr, maintenant elle a 21 ans, et ouais, elle a appris, même après, elle était dans un hôtel avec une brésilienne et une espagnole, je crois. Du coup, il l'apprenait, il mettait de la musique brésilienne. Il apprenait à poser, parce que ça, en fait, elle s'entraînait, en fait, elle travaillait quand elle rentrait à l'hôtel, au lieu de dormir, d'aller sur Netflix ou quoi, et ben, les filles lui apprenaient, avec la musique brésilienne, pour un feu de son, à poser, tu vois. Voilà, en fait, elle s'entraînait. Et c'est ça, en fait. C'est chez elle s'entraînait, etc. Et voilà, elle pleurait et tout, c'était pas facile. Ben, elle s'entraînait, et puis voilà, maintenant, elle gère, elle a fait des boucles, Pretty Little Thing, elle était sur le site de la marque de Rihanna, la marque de Kylie Jenner, enfin, sur l'Instagram, tout ça, enfin. Elle était sur M6, TF1, elle était sur les taxis de Dubaï. Mais au début, c'était pas comme ça. Ah, c'est comme galère. Du sport, en fait. C'est un entraînement, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est celles qui sont persévérantes et voilà, qui savent que c'est dur, qui pleurent et tout, et qui font, qui réussissent. Mais celles qui sont là, ouais, non, c'est trop dur, j'arrête, bah ok, arrête. Quelqu'un qui réussit, c'est obligé qu'il réussisse. Quelqu'un qui ne lâche pas, c'est obligé qu'il réussisse, c'est sûr. Ça, c'est obligé. Donc, passons maintenant, toi aussi, tu n'as pas lâché. Donc, tu passes de jeune mannequin, mais tu dis à jeune mannequin, c'est pas mal, mais je peux faire mieux. Il y a d'autres possibilités qui s'offrent à moi et tu deviens coach de mannequin et plus particulièrement afro.
Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce changement de trajectoire, j'ai envie de dire? Bah, j'étais agent et du coup, il y avait beaucoup de personnes qui me contactaient, des filles qui avaient fait des Miss France, qui étaient Miss Lorraine, Miss je sais pas Là, quoi. on va dire que ça y est, ton travail à payer, parce qu'au début, tu démarres à zéro. Ouais, c'est Et ça. vraiment, tu arrives à un tel niveau que tu as des gens qui te contactent, même des Miss France, même Oui, des. des, pas Miss France, mais des filles qui ont participé à Miss France, Oh, qui ont, etc., qui ont voulu savoir des renseignements, etc. Mais en fait, moi, en tant qu'agent, parce qu'après, il y avait des critères, plus j'avançais, plus les critères étaient plus compliqués, tu vois. Avant, je prenais un peu tout le monde, après, j'ai un peu trié. Et du coup, après, j'ai beaucoup de demandes et je peux pas prendre tout le monde. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer un accompagnement, justement, payant pour, comme ça, je peux accompagner le plus de personnes. Et par contre, c'est sur une période donnée. Donc, j'ai commencé après, j'ai dit, OK, bah, je vais créer un coaching. Donc, j'ai commencé à créer un coaching et je prenais tout le monde, enfin, hommes et femmes. Et bah, j'avais 90% de femmes qui me demandaient. Donc, bah, voilà, j'ai pris quand même les hommes et tout. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, les hommes, il n'y a pas beaucoup, donc j'enlève les hommes. Donc, je suis spécialisé sur les femmes. Donc, je ne connais que les femmes. Donc, j'ai changé mon accompagnement pour les femmes et tout. C'était un accompagnement présentiel au départ. Et voilà, c'était un accompagnement où la promesse que j'ai fait, c'est signé en agence au bout de 3 mois. Donc, on faisait des shootings, maquilleuses, etc., etc. Et ensuite, bah, 90% des femmes qui me contactaient, c'était des noirs, métisses et quelques maghrébines. Du coup, je me suis dit, bah, autant me spécialiser vraiment pour être très niché dans ce truc-là. Donc, je dis, OK, bah, j'aide. Enfin, mon discours, c'est que voilà, j'aide les femmes afro, voilà, comme tu l'as écrit si bien là. Mais s'il y a une française, voilà, j'ai des français, j'ai des blanches, j'ai des maghrébines, etc. Je prends tout le monde. Voilà, mais je suis spécialisé dans les femmes afro. Sauf les mecs. Par contre, les mecs, ça, on a plein qui me contactent. Hein. Des fois, j'hésite et tout, mais je me dis, non, faut pas que. Pour l'instant, je reste concentré sur ça, sur les femmes. Je peux le témoigner que c'est vrai parce qu'un jour on discutait, on était dans Paris Ah et oui. un mec qui est venu t'arrêter qui te disait qu'il te suivait sur Instagram, Ouais. mais il était déçu parce qu'il disait ouais, mais parce que tu, mais c'est dommage parce que tu fais que les femmes maintenant, Ouais. tu fais que les hommes. C'est vrai, ouais. À Châtelet, là. À Châtelet, ouais. Ouais, je me souviens. Et ouais, je fais plus, même si j'ai de la demande. Mais c'est vrai que c'est dur, parce qu'il y a plein d'hommes qui me contactent tout le Ok. temps, et qui veulent, mais ouais, non, je reste focalisé sur les femmes. Peut-être un jour, je ferai un autre accompagnement spécialement pour les hommes. Mais pour l'instant, je fais que les femmes. Je me concentre vraiment sur ça, parce que c'est pas trop m'éparpiller, on va dire. Et voilà, et du coup, c'est pour ça que je suis rentré dans ce truc-là, et coaching. Et voilà, comme ça, les filles, je les accompagne 3 mois officiellement. Et puis après, voilà, elles volent de leurs propres ailes, on va dire. Est-ce que tu peux rentrer un peu en détail quand tu dis ton accompagnement, c'est quoi? C'est en physique? C'est en digital? Comment ça se passe quand la fille elle veut être accompagnée par Gaussou sur 3 mois en fait? Comment ça se passe? Bah, au début, c'était en présentiel. Et Okay. c'était en présentiel, c'était 2000 euros, je crois. 1800, j'avais commencé. Donc, elle faisait 3 shootings, maquilleuse. Je me déplaçais bah, tout le temps. Dans les salles, je les voyais, on faisait une signe préparation mentale, je faisais un petit exercice avec elle et tout. Ouais, c'était un truc qui valait pas du tout le prix que je faisais. Et puis, mais je faisais ça parce que bon, voilà, je pensais que c'était bien et tout, mais en fait, je gagnais pas d'argent, on va dire, dans tout ça. Et puis, sans compter bah, les paiements plusieurs fois, les filles qui ne payaient plus, enfin voilà, c'était un peu la galère, mais bon, ça m'a fait quand même l'expérience, j'ai eu quand même des résultats intéressants, donc c'était cool. Ensuite, bah là, j'ai un peu changé, du ouais, présentiel, en fait, ça prenait trop de temps. Des fois, j'avais des rendez-vous. J'allais à Paris, les filles ne venaient pas ou venaient en retard. Enfin, ça décalait tout. Les photographes me disaient, ouais, on était là, mais la fille n'était pas là. Elle arrivait 1 heure de retard. Enfin, c'était trop compliqué. Donc, j'ai dit, bon, voilà, j'ai essayé de basculer en présentiel. J'ai fait ça 1 an après, j'ai basculé en présentiel, en ligne. Donc, voilà, les filles, j'ai continué à améliorer. Donc, en ligne, il y a une formation en ligne, mais il y a un accompagnement. Donc, il y a des appels, il y a des coachings groupés, voilà, par mois. Maintenant, il y a des coachs aussi, coach préparation mentale, des coach préparation mentale, coach réseaux sociaux, une coach de mannequin aussi qui travaille avec moi maintenant. Et du coup, on est là, on fait des coachings groupés, il y a des groupes WhatsApp, des mini-groupes WhatsApp, où là, on est là pour donner des conseils, pour les aider, etc., répondre à leurs questions. Et puis voilà, on est là pour qu'elles réussissent, quoi. Donc là, voilà, on améliore à chaque fois l'offre et puis. Voilà, on a des résultats qui sont corrects, c'est cool. Super, t'as des mannequins qui ont commencé à avoir des résultats satisfaisants. Ouais, il y en a qui sont signés en agence, il y en a qui ont fait des jobs, il y en a qui ont été. Une qui était dans un magazine à Miami, il y en a qui ont travaillé pour Six June, il y en a qui ont travaillé pour des agents. Ouais, il y a des trucs intéressants. Okay. Vraiment intéressants. Donc alors, juste
Donc, je pense que c'est la question que tout le monde se pose, c'est comment devenir tout simplement mannequin. Et après, ça serait comment devenir, comment signer en agence. Mais déjà, comment devenir mannequin, ça serait quoi les conseils que tu pourrais donner à une personne? C'est comme tu as dit, peut-être être passionné déjà par ce. Oui, ça, c'est la première chose. La base. Déjà, ouais. Être passionné, parce que sinon, si tout le monde nous dit qu'on veut être mannequin parce qu'on a le profil. Ouais. Si on n'est pas passionné, ça ne sert à rien. Parce que une fille qui. Par exemple, on voit une fille jolie dans la rue. Tu penses qu'elle peut être mannequin ou ça c'est passionné, ouais. Après, des fois, c'est vrai que la passion, ça peut se développer. Ouais. Mais, parce qu'il y a un mannequin que je connais qui s'est fait repérer, bon, elle avait 14 ans aussi, tu vois, s'est fait repérer sur une plage, ou 14 ou 15 ans sur une plage dans le sud. Et elle est très connue maintenant. Et en fait, elle aimait pas le mannequinat, en fait. On l'a vu, une personne d'une agence lui a dit, ah, mais toi, tu ressembles à un mannequin, enfin, tu devrais faire mannequinat, etc. En fait, ça a été sa passion après, en fait, tu vois. Parce qu'elle a dit, ah, ok, elle a fait des photos, elle a kiffé, tu vois. Donc, en fait, ça peut-être il y a des personnes qui pensent pas à ça, mais ils peuvent kiffer, tu vois. Mais sinon, je pense qu'il faut être passionné quand même. Ouais, faut avoir la passion. Et puis après, en fait, si on veut devenir mannequin, c'est le professionnalisme. C'est être dans les aéroports, pub télé, magazines, etc. Donc, ça, c'est des pros. Donc, il faut montrer qu'on est professionnel pour devenir mannequin. C'est-à-dire en faisant des choses pro. Si on veut être mannequin et on envoie aux agences des selfies, on fait que des photos comme ça, ou notre Instagram, on est avec des chichas, des verres d'alcool, des soirées, ça n'a rien à voir, tu vois, ça fait pas pro. Bah oui, il y en a qui font des trucs comme non, ça. Non, ils envoient en agence avec la chicha. Et... Ah non, pas en agence, sur leur compte Instagram, tu vois. Ah, ok. Non, c'est vrai. Par contre, il y en a qui envoient des selfies avec leur, tu vois, devant la fenêtre avec la lumière du truc et des selfies. Moi, on m'envoie ça déjà, tu vois. Et des selfies comme ça et avec la lumière du jour. Enfin, des trucs qui ne sont pas du tout pro. Parce qu'elles ne savent pas, en fait. Tu vois. Elles ne savent pas qu'elles pensent que c'est comme ça, on y arrive. Ça peut passer avec des profils de malades, des styles qui ont un énorme potentiel. Donc, des photos naturelles comme ça, il y a quelqu'un qui va les recruter et qui va les vouloir, en fait. C'est comme un footballeur, quelqu'un qui, je sais pas, t'envoie des vidéos dans les clubs, tout ça. Si c'est des vidéos bien, mais sans plus, ok. Et quelqu'un qui envoie un truc à l'arrache, mais il est super fort. Et ben il y a quelqu'un qui va tout faire pour le prendre parce qu'il sait que c'est une pépite de malade, tu vois. Et pareil dans le mannequinat, si tu sais que même si la fille t'envoie des trucs à l'arrache, mais tu vois en elle que c'est de la future Naomi Campbell, ben, tu t'en fous, tu vas la prendre et tu vas voilà, tu vois, c'est un peu ça, mais c'est rare, tu vois, c'est extrêmement rare qu'il y a des filles comme ça, tu vois. C'est une fois tous les je sais pas combien de temps. Donc voilà, faut se professionnaliser, faut faire tout de manière pro, s'entourer de professionnels parce que c'est un métier. Quand on veut être coiffeur, on dit pas OK, je suis coiffeur. On se forme. Et on fait des choses pour être coiffeur. Mannequin, c'est pareil. Si on veut être mannequin, on dit pas, ah tiens, je vais être mannequin. Non, il faut se former aussi, c'est la même chose, en fait, pour devenir, parce que c'est un métier. Après, mentalement, savoir comment ça se passe, pour pouvoir éviter les arnaques, comment réussir, comment ça se passe le mannequinat, à l'étranger, en France, comment travailler avec un agent, c'est mieux travailler avec un agent ou pas, travailler en agence ou pas. Enfin, il y a plein de choses. J'avais une question un peu plus d'ordre physique. Ouais. Une mannequin, pour toi, ça commence à quel âge, ça finit à quel âge? Une mannequin, pour toi, elle doit avoir quelle taille? Elle doit être dans quelle tranche de taille, même quelle tranche de poids, par exemple. Est-ce que ça joue sur ça ou les mensurations ou... Bon, pas trop. Alors là, à la télé, des fois, tu vois des pubs pour les couches. Donc, t'es des bébés, ils ont 1 an, 2 ans, tu vois. Ouais, donc, en fait, il n'y a pas d'âge. Après, c'est bien. Ouais, moi, je prends l'accompagnement à partir de 18 ans. Donc, je sais que là, ils prennent 16 ans, 17 ans. Parce que voilà, ils sont pour vraiment les bien former, etc., les préparer. Moi c'est 18 ans parce que voilà, je pense que c'est plus simple et tout, mais elles peuvent commencer dès 16 ans, 16-17 ans. Et après, en termes de taille et tout, celles qui veulent faire des défilés, parce qu'il y en a plein qui veulent faire des défilés Fashion Week et tout, donc là faut au moins, ouais, je pense au moins 1m77 quand t'es une femme, parce que c'est moins c'est mieux quoi. Et être voilà, en fait, pour les défilés c'est plus compliqué en termes de physique. Il faut être très très fine, faut faire du 34-36 en pantalon. Voilà, M77 au moins. Après, ils prennent M75, ça dépend aussi du profil. Mais sinon, après, il y a tout ce qui est modèle photo, donc tout ce qui est pour les mecs, pour le maquillage, tout ce qui est vêtements, etc. Ça, il n'y a pas de, pas forcément de contraintes, quoi. Tu peux avoir des formes. Des fois, il y a même des agences qui recrutent des formes, des femmes qu'on appelle curvy, qui ont des formes, etc. Ben, voilà, il n'y a pas forcément de taille, de poids. C'est que si la personne se sent bien, comment elle est, là, ça peut passer. Parce que si une femme, elle a des formes, mais se montre en maillot de bain, c'est qu'elle s'accepte, c'est qu'elle s'assume, c'est qu'elle est bien dans sa peau et du coup, ça plaît et elle peut travailler. Donc, voilà. Il peut avoir un marché pour toi. Ah, en fait,
le délire sur les podiums Fashion Week, ok, c'est assez particulier. Oui. Mais après, dans tout ce qui est modeling, là c'est un peu plus ouvert, en fait. Oui, oui, ça, c'est complètement ouvert. Ça, c'est un marché pour tout le monde. Ok. Mais en gros, en fait, je me posais la question, mais pourquoi tu ne veux pas devenir aussi une agence, tout simplement? Non, je pense que ce que je fais, c'est… J'ai l'impression que c'est eux qui dirigent les rênes un peu. J'ai l'impression que c'est eux qui sont manivelle du truc. On leur propose… C'est le marché aussi. C'est un peu le marché. C'est en fait, par exemple, George Floyd, là, attrapé l'Américain, s'est fait tuer par un policier. Ah, George Floyd, oui, oui, bah voilà. Oui. Le drame, ouais. Ben, à cette époque-là, tu as eu tout le monde, Black Lives Matter, tout le ouais. monde… Et les agences, enfin, les agences à ce moment-là, ils m'appelaient, ils me demandaient, ouais, envoie-nous, on veut recruter des femmes noires, envoie-nous des femmes noires. Et pourquoi les agences me demandaient ça? Parce que les marques voulaient ça, voulaient des gens noirs pour montrer que, ouais, nous, on aime les noirs, etc., etc. Donc, les marques voulaient, donc les agences voulaient, donc voilà. Et c'est ça, en fait, c'est le marché, c'est ça qui décide. À un moment, c'était aussi les Asiatiques. Après, avec le Covid, etc., quand les Asiatiques, il y en a qui sont et ben, okay. En fait, c'est comme ça. Il y a le marché, des fois, c'est, il peut se passer un truc. Et bah, ils veulent, bah, les marques, ils veulent travailler avec ces genres de personnes-là. Et voilà, ça peut être des fois des, ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être. En fait, on ne sait pas. Et du coup, ce n'est pas les agences qui. C'est les marques, en fait. Les marques, des fois, ils demandent, ah tiens, on veut. Des fois, c'est les femmes de l'Est. Blondes, grandes, yeux bleus. Donc, bah, les agences veulent justement des femmes de l'Est. Des fois, c'est d'être les noirs. Des fois, ça a été. Enfin, voilà. Il n'y a pas longtemps, c'était les noirs. Pour les défilés, c'était les noirs. Des grandes noires très fines, un peu, les éthiopiennes, etc. Tu vois, avec leur forme de visage et tout. C'était vraiment. C'était ça. En fait. Voilà, souvent il y a des tendances. Après, il y a des filles, voilà, c'est ça marche tout le temps, tu vois. Et des fois, il y a des tendances spéciales comme ça qui arrivent par les marques, par je sais pas, c'est le marché en fait qui dit ça se trouve demain, il y aura un autre truc et tout, on sait pas. Parce que c'est quoi la différence entre toi qui as déjà un panel de mannequins déjà autour de toi et une agence? Bah, une agence, ils ont. L'agence, c'est la même chose en fait. À peu près, ouais, ils sont déclarés comme une agence. Et puis après, sauf que eux, il y a plein de marques qui les contactent, en fait. Ils sont déclarés en tant qu'agence. Bah, les marques les contactent directement. Moi, il y a que quelques marques qui me contactent. Et si je serais une agence, bah, là, il y aura beaucoup plus de marques parce que moi, je suis pas une agence. Du coup, les agences, les marques, elles contactent les agences pour des mannequins. Par exemple, moi, je suis arrivé pour Nike. Il me faut une femme noire avec les cheveux rasés. Bah, je vais contacter 10 agences. Je vais dire, voilà, il me faut une femme noire avec les cheveux rasés, avec les crânes rasés. Envoyez-moi vos profils. Et toutes les agences vont m'envoyer. Moi, je choisis. Donc, en fait, pour les marques, c'est plus simple de travailler avec une agence parce que les agences, ils ont plein de profils à proposer. Toi, t'es limite une agence un peu avec tout. Si par exemple, tu es mannequin, là, si tu avais gardé le métier d'agent en contrat, par exemple, là, je sais pas, je te dis une bêtise, par exemple, on va dire que tu as 20 mannequins avec toi. Imagine, elles sont toutes en contrat avec Gaussou Samake. Bah, t'es limite une agence, en fait. Sauf que pour être une agence, il faut avoir une licence pour être appelé comme une agence. Et la licence, c'est quoi, en fait? Comment on fait pour la passer, cette licence? Je sais même pas comment tu dois passer ça. Je sais que c'est un tarif, ça doit être, je sais plus, on m'avait dit le prix, en plus il n'y a pas longtemps, on va parler de ça, mais okay. Ça doit être peut-être 30, 40 000 euros, je crois, un truc comme ça. Mais après, je sais pas si c'est un truc à passer ou c'est juste un truc à payer, mais ouais, je pense qu'il y a quand même des normes à respecter, des trucs à respecter, mais après, c'est surtout la somme à payer, je pense. Mais après, ouais, faut peut-être des bureaux, faut peut-être. Ouais, je sais pas. Vraiment, ouais, ça m'intéresse pas de faire ça, c'est pour ça que je ne suis pas forcément renseigné ouais. Sur la je vois, en fait, ça devient plus une vraie structure, un vrai truc. Mais entre guillemets, j'ai envie de te dire, un mec qui a 100 mannequins avec lui dans son portefeuille, j'ai envie de te dire, bah, il les limite, il a juste besoin de se structurer un peu, payer les 40 000 balles, et ça y est, c'est une agence. Il peut se déclarer. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, je pense que les agences, elles ont commencé comme ça, en fait, aussi. C'est comme toi, elles ont. Ouais, il y en a qui ont commencé. Des coups de mannequins et bam. Après, ouais, c'est ça. Après, quand t'es, c'est pas dur de recruter des mannequins, ouais. c'est pas compliqué. Mais après, c'est faut les faire travailler, parce que c'est un monde de requins. Si t'as une mannequin qui est là depuis un mois et elle travaille pas, peut-être elle va se faire contacter par un autre. L'autre, tu vas lui dire, ah mais ça fait un mois que tu travailles, ça fait un mois que t'es là-bas, tu travailles pas. Ah mais eux c'est de la merde. Viens, moi t'inquiète, dans deux semaines, dans deux jours je te fais travailler. Moi demain je te fais travailler, tu vois. Ils vont tout faire peut-être pour lui faire travailler vraiment, pour qu'elle quitte l'autre. Et ils vont faire travailler une fois et en fait après ils vont la faire galérer et après, enfin ainsi de suite quoi. En fait, ils vendent du rêve, tu vois. Beaucoup ils vendent du rêve et pour recruter les filles, etc. etc. C'est un monde de requins, comme je t'avais dit tout à l'heure en off. Et voilà, quoi, c'est le jeu, mais c'est comme ça. C'est... De toute façon, moi, je me dis, si une fille, il y en a eu des filles comme ça qui sont parties, qui ont quitté et tout. Ouais. Et je me dis, ouais, si c'est... il y en a une qui m'a dit même qu'elle venait de Bulgarie, parce qu'à l'époque, je recrutais des filles un peu partout. Elle venait de Bulgarie et c'était une pépite. Et en fait, elle s'est fait recontacter par quelqu'un d'autre qui faisait un peu comme moi à Jean, mais qui était super suivi sur les réseaux, d'avoir 30 ou 44, tu vois. Et en fait, après un jour, elle vient me voir, elle me dit, ouais, en fait,
je veux arrêter le mannequinat, ma mère elle veut plus, je sais pas quoi et tout. T'as sorti une disquette un peu. Ouais. Ouais, voilà. C'était bizarre parce qu'elle était super, super déterminée. Et en fait, après, j'ai vu qu'elle était, elle avait signé, elle a mis en plus dans sa bio quelques temps après, qu'elle était signée avec l'autre et tout. Donc, j'ai envoyé un WhatsApp et tout. Ouais, j'ai vu, j'ai envoyé la capture. Elle m'a bloqué et Insta m'a bloqué. Après, bon, j'ai dit tant pis, tu vois. Mais voilà, c'est les autres, ils lui ont dû lui vendre du rêve et tout. Et puis, elle a signé avec les autres, tu vois. Et en fait, c'est comme ça. C'est que quand les gens voient des pépites, bah, ils font tout pour les recruter, quoi. Ils vont mentir. En plus, eux, ils avaient 30K. Moi, j'avais peut-être 2000 abonnés. Donc, ça fait pas le poids. Ils ont dû dire, ah, mais lui, c'est un débutant, je sais pas quoi, là, là, là. Et ça va vite. À la fille, elle avait 18 ans. Donc, ouais. Tu vois. Donc, voilà, quoi. Les conseils pour toi pour signer en agence, pour les mannequins, parce que c'est ton accompagnement. Et pour toi, c'est maintenant que tu as. T'en as beaucoup aidé, c'est quoi ce que tu as vu entre celles qui arrivent à atteindre ce but de signer et d'autres qui n'arrivent pas? Est-ce que ça reste toujours pareil, le professionnalisme, tout ça, ou il y a encore d'autres choses C'est la même chose, c'est la détermination, la patience. Enfin, pareil, professionnalisme, mais surtout détermination, patience, parce que tu peux signer au bout de 2 semaines, comme certaines que j'ai aidées qui ont signé en 2 semaines. Ouais, c'est vrai. Signer en 4 mois, en 5 mois, en 6 mois. Surtout l'accompagnement, il est sur 3 mois. Mais ça veut dire que peut-être à l'issue des 3 mois, la personne n'a peut-être pas encore signé. Il faut encore continuer encore quelques mois de plus pour qu'elle y arrive, quoi. Bah, elle peut signer. Si elle fait tout ce que j'ai dit, parce qu'en fait, ma formation, elle est faite pour qu'en 3 mois, elle puisse signer. Okay. Si elle ne fait pas tout, quand je lui dis, par exemple, 2e semaine, tu fais ça, 5e semaine, tu fais ça, bah, forcément, ça peut durer plus longtemps que ça. Mais après, elle peut faire plus, elle peut faire en raccourci. Il y a une fille qui a signé en 20 jours, par exemple, tu vois. Okay. Donc, en fait, ça dépend des personnes. En tout cas, il faut être patiente parce qu'une agence, c'est comme quand on cherche du travail. Tu cherches un travail, tu envoies 50 CV, il n'y aura pas 50 entreprises qui vont te dire oui. Donc voilà. Ouais. Et si on te dit non, bah faut que tu continues, tu postules et voilà quoi. Et ça aussi, beaucoup de filles sont impatientes. Donc elles ont un an et elles dépriment, elles n'acceptent pas en fait le fait qu'on leur dise non. Et du coup, bah, elles abandonnent. Donc voilà. Il y a des filles qui ont payé l'accompagnement et tout, et au moment de postuler, elles n'ont même pas postulé parce qu'elles avaient peur du non. En fait, et ils ont tout fait, tout payé, mais hein. Ils ont peur. Donc, comme disait, non, mais là, j'ai des problèmes familiaux, ah ouais, mais non, mais là, j'ai les études, ah ouais, mais non, mais en fait, j'ai compris que bah, elles n'étaient pas prêtes, tu vois. Et voilà. Alors que bah, elles avaient tout réglé, et voilà. Tout était terminé, il fallait plus envoyer aux agences, mais elles n'ont pas fait. J'ai vu sur les réseaux sociaux, sur ta chaîne YouTube, tu interviews, même sur Instagram, tu interviews beaucoup de mannequins. Il y a aussi des hommes aussi, tu as aussi des vidéos avec. Et il y avait aussi Justine Camara que je regardais. Elle a fait concours Miss France. C'est pareil. Elle est, c'est une mannequin avec lesquels t'as collaboré, ou comment ça se passe? Alors, parce que, en fait, je comprends, t'as les débutants, mais t'as aussi des filles beaucoup plus confiantes. Donc, je regardais sur tes réseaux sociaux et j'ai vu, il y avait une fille qui s'appelait Justine Camara qui avait fait des concours Miss France. Je voulais savoir, est-ce que, par exemple, est-ce qu'elle a collaboré avec toi, ou parce que je comprends que tu démarres avec les débutantes, mais j'ai l'impression c'est que t'as l'air d'avoir des filles un peu plus matures dans le business qui ont besoin de tes services. Est-ce que je me trompe ou Ouais, alors j'ai eu des personnes qui m'ont contacté, qui ont eu des expériences. Ouais. Il y en a déjà qui ont fait l'accompagnement, qui a une fille qui a été élue Miss Mayotte, qui a fait Miss France 2019. Qui est passé sur TF1, tout ça, qui m'a contacté, qui a fait l'accompagnement, parce que Miss, c'est différent de mannequin. Okay. Miss ont du mal avec ça, c'est vrai, mais c'est vrai que Miss, c'est pas pareil. Miss, tu représentes une région. Miss, en gros, tu fais la belle, tu souris. Voilà, faut être intelligente, etc. Mais mannequin, c'est pas du tout ça. Mannequin, tu représentes une marque et tout, donc il y a un peu plus de folie, on va dire. Donc voilà. Et oui, Justine Camara, en fait, on avait déjà parlé il y a quelques temps par rapport au mannequinat et tout. Voilà, parce qu'elle avait vu rencontrer durant un shoot des mannequins à moi que j'avais placé avec une marque et tout. Donc, on avait discuté à ce moment-là. Et voilà. Après, on est resté en contact, mais de temps en temps, voilà, on parlait, mais sans plus. Après, on devait collaborer ensemble. Enfin, voilà, on avait parlé de ça. Mais ça ne s'est pas fait. Mais voilà, on a quand même continué à discuter. Et là, il n'y a pas longtemps, on a rediscuté pour l'interview que j'ai faite, tout ça, pour qu'elle parle un peu de son parcours et tout, de Miss France. Et puis, que là, ça lui a ouvert les portes de tout ce qu'elle fait maintenant. C'est grâce à Miss France, donc on a un peu parlé de ça. Et puis voilà, on va aussi peut-être collaborer ensemble. Je lui ai dit, voilà, parce qu'elle aime bien signer en agence et tout. Okay. Parce qu'elle n'est pas en agence de mannequin. Ouais. Et donc je lui ai dit, moi, je pouvais l'aider. Même si je ne fais plus agent, je lui ai dit à elle que ouais, je pourrais l'aider, comme ça fait longtemps qu'on discute et tout. Et je lui ai dit, ok, bah voilà. Donc on a discuté là il n'y a pas longtemps. Et puis voilà,
normalement, voilà. Si ça se passe bien, si j'ai ce qu'il faut, bah voilà, je l'aiderai à signer en agence. Bah, tu sais, je parlais beaucoup de l'aspect la mannequin qui va postuler en agence, mais toi, en tant que coach et qui a un peu l'expérience, par exemple, je prends le cas de Justine Camara. Tu dis, ouais, je vais te faire signer en agence. Donc, c'est-à-dire que tu connais des agences déjà, tu connais des numéros, tu connais, tu as des contacts. Comment tu la présentes? Comment tu vas la présenter, Justine? Comment tu vas la faire? Ouais, j'ai des contacts. Après, non, ça suffit pas, les contacts. Comme le foot, encore, je compare au foot. Tu peux connaître l'entraîneur du PSG. Ça ne veut pas dire que moi, je veux signer. Toi, tu vas dire, vas-y, tiens, t'inquiète, je connais. C'est pas comme ça, en fait. Tu vois, les gens, ils vont regarder si j'ai du talent, des choses comme ça. Les mannequinats, c'est pareil. Tu vois, j'ai des contacts, mais c'est pas parce que j'ai des contacts. J'ai même des partenariats. Je suis parti à Dubaï, je suis parti à Londres pour faire des partenariats avec des agents, justement. Et ça ne veut pas dire que toutes les filles que j'ai présentées vont les prendre. Mais ça favorise, en fait, l'échange. Et si je sais vraiment ce qu'ils veulent, après, ils me répondent aussi un peu plus vite, tout ça. Et du coup, moi, je dis aux filles, voilà, il me faut ça, ça, ça. Et moi, je sais quel type de filles ils veulent. Donc, envoie-moi tout ce qu'ils veulent. Et puis après, si ça correspond, ils vont te prendre. C'est pas moi qui ai le dernier mot. Mais je fais la passe, en gros. Et toi, tu touches une com sur ça, sur la transaction? Non, pas forcément. En fait, ça dépend des filles. Ça dépend. Les filles qui font mon accompagnement, je les place comme ça, sans communication. Sans commission, ouais. Mais après, les autres filles, si je présente à des agences des filles, par exemple, une agence me dit, ouais, je veux ça, ça, ça. Moi, je leur trouve ça, je leur présente. Là, oui, parce que c'est des filles que j'ai pas accompagnées et que, voilà, j'ai trouvé comme si, et voilà, quoi. Tu vois. C'est ça. Et des filles qui, comme en fait, les filles qui ont fait un accompagnement, elles m'ont payé. Dans le sens, je me dis, bon, si je les place dans une agence, en fait, ça fait partie de l'accompagnement, tout ça, vas-y, ça me dérange pas, en fait. Voilà, en soi, c'est pas un truc que j'ai fait gratuitement pour l'agence, tu vois. Par contre, une fille dans la rue comme ça, qui n'a rien fait, oui, elle, si je la pose en agence, pour rien, cadeau comme ça, non, ça, ouais, il faudrait une commission avec l'agence. La personne que tu as besoin de contacter en agence, ça va être qui? Ça va être le directeur de l'agence? Ça va être qui? Il y a un poste en particulier en agence? Je sais pas, il y a des recruteurs. Ouais, il y en a parce que bon, les directeurs, j'en parle à certains, mais c'est pas eux qui ont le dernier mot. Ok, c'est qui les directeurs? Souvent c'est les agents, on appelle ça des agents aussi, qui travaillent dans les agences. Donc il y en a qui sont dans les grosses agences, il y en a qui s'occupent forcément des femmes, d'autres des hommes. Il y en a des femmes plus des nouvelles personnes. En fait, ils ont chacun leur rôle et puis voilà. Moi, j'ai leur contact. Donc après, je les contacte directement. Et puis voilà. Après, je leur propose le profil. Et si ça intéresse, ils me disent. Si ça intéresse pas, ils me disent aussi. Ok. Et ça doit être sympa comme boulot. T'imagines, t'es agent dans une agence pour mannequins, pour femmes. Tu sais, j'imagine, c'est un homme, le gars, il doit se balader dans la rue, regarder s'il y a plein de jolies filles. Donc, ouais, peut-être que je me fais des idées, hein, peut-être. Mais, non, j'en suis sûr. Il doit avoir des mecs comme ça où, tu sais, le boulot, c'est juste de chercher les plus jolies filles de. C'est ça, en fait. C'est parce que tu trouvais justement les pépites. Et c'est comme quoi, c'est sur un voilà, c'est ça. Ouais. Au foot, bah voilà, ils vont pas que voir les matchs du PSG, ils vont des fois voir dans les petits villages et tout, parce que des fois, t'as des pépites que voilà. Et moi aussi, bah, j'en parlais justement, il y a un agent d'une agence qui est venu en France, et on s'est rencontrés et tout ça, parce qu'on parlait souvent, et comme il venait sur Paris, il m'a dit, bah vas-y, il dit, ok, on s'est rencontrés sur Paris, et on a discuté un peu, malgré mon anglais qui est un peu bizarre, on a réussi à communiquer. Et il me demandait si je recrutais justement moi sur Paris. Parce que lui, il me dit qu'il recrutait à Londres des fois dans la rue. Et chaque fois qu'il voyait une fille, il demandait. Et la fille disait, ah, mais moi, je suis déjà à telle agence. Il me demandait si moi, je recrutais dans la rue. Je lui ai dit non. Mais pourquoi? Il dit, je sais pas. Moi, je lui ai dit, parce que, bah, je sais pas, peut-être les filles, je vais venir vers elles. Elles vont dire, un peu bizarre, ah, vas-y, ils vont me draguer, je sais pas quoi. Tu vois. Donc, je lui ai dit, moi, j'ai peut-être fait ça une ou deux fois, mais seulement, tu vois. Et je lui ai dit, mais toi, tu fais comment? Du coup, il me dit, ouais, mais lui, après, bon, je savais pas, il me dit, ouais, mais moi, je suis gay. Du coup, quand je vais vers les filles, je fais le gay. Il me dit ça, tu vois. Il fait le gay, tu vois, parce qu'il est pas, ça se voit pas en fait, tu vois. Il m'a dit, je le fais. Du coup, ça passe directement, tu vois. Et voilà, donc on a un peu parlé sur ça et tout. Et moi, je dis, moi, je le fais pas. Je sais pas, j'ai jamais fait ça. Et puis après, je pense que c'est plus simple moi pour sur Instagram. Ouais. Parce que bah, du coup, les filles elles voient les Insta. Et du coup, elles savent direct qui je suis, tu vois. Et voilà, après dans la rue, il me dit, ouais, bah, tu donnes une carte directement, tout ça. Mais je vois, non. Après, dans la rue, c'est Insta, c'est la masse, en fait, tu vois, c'est plus rapide. Après, dans la rue, c'est par hasard. Si j'en croise une par hasard, je pourrais lui parler. Mais voilà, mais c'est pas, j'ai pas pour rechercher forcément ça. Après, il y en a qui le font, hein, parce que justement, voilà, à la sortie des lycées, des trucs comme ça, parce que là, tu peux retrouver des pépites, tu vois, qui savent même pas ce que c'est le mannequinat, tu vois, à la sortie du lycée. Et du coup, c'est toi qui les fais grandir, quoi. Parce que c'est vrai que sur Instagram,
bah les filles qui sont que tu vas voir qu'elles sont mannequins, elles sont déjà fait demander par d'autres personnes, tu vois. Ouais. Alors que les filles des lycées, des trucs dans la rue, des fois, non, ils ont même pas Instagram, elles ont rien, elles ont un compte fermé, elles ont. Du coup, c'est toi la première personne qui la repère et c'est toi qui peux la faire exploser, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi bien dans la rue, ouais. Et il y en a qui sont fait recruter dans un concert, dans les trucs, tu vois. C'est H&M, enfin, tu vois, il y a plein de. Tu parlais de Naomi. Ouais, tu parlais de Naomi Campbell, elle se fait recruter comme ça dans la rue à Londres. Hein, Tu vois, c'est comme ça. C'est mieux dans la rue parce que tu as vraiment, vraiment des. Tu vas avoir vraiment des pépites. Mais ça prend plus de temps, tu vois. Il faut vraiment avoir le temps. Oui, mais ça, ouais. Pour ça, ouais. Il faut vraiment du temps pour ça. Mais il y en a qui peuvent le faire sur 2-3 heures. Bah, surtout des villes comme Londres, Paris, tu sais, tu vas voir vers les champs. Bah, être comme ça à Paris, tu peux voir des pépites. Hein. Tu peux voir vraiment des très, très bons profils. Sans problème. Dernière question. Pour toi, c'est quoi tes futurs projets? Tu te vois comment dans 10 ans? Toujours dans le business coach mannequin, c'est quoi ton avenir? Alors, dans le business, peut-être je continuerai mannequin, enfin dans le mannequinat, mais de loin. Tu vois, j'aurais mis des gens à ma place, je pense, et je serai là toujours derrière. Mais parce que moi, c'est beaucoup l'aide, j'aime bien. Donc après, en fait, que ce soit dans ça, ça peut être le foot, ça peut être plein de trucs. J'étais éducateur avant, peut-être revenir dedans, aider les parents, parce que ça, j'ai fait un petit peu aussi, aider les parents qui ont du mal avec leurs adolescents, tu vois. Parce que moi, je connais très bien, j'ai fait 10 ans, donc je sais très bien comment fonctionne un adolescent. Okay. Après, il faudrait peut-être me mettre un petit peu à jour parce que ça évolue maintenant, tu vois. Mais voilà, je sais comment fonctionne un adolescent, donc je sais en gros comment les parents doivent agir avec leur adolescent, donc comment aider, tu vois, peut-être aider plutôt les parents. Là, j'aide beaucoup les jeunes, mais peut-être aider les parents qui ont du mal avec leur ado. J'ai fait un truc comme ça, ça n'avait pas fonctionné. Maintenant, comme j'ai des autres stratégies, tout ça, peut-être je vais refaire ça. Enfin, j'en suis sûr que je referai ça. Et peut-être aussi aider les filles. Bah là, je vais faire, le mois, je commence des filles en Afrique. Ah, Jean, je t'avais dit, j'avais arrêté. Et là, je vais reprendre avec des filles en Afrique. Je ne sais plus si je l'ai dit dans ce live ou ce qu'on parlait avant. Ah, j'avais dit dans le live. Au début, ouais. Je l'ai dit au début que tu voulais faire en Côte d'Ivoire, démarrer là-bas. Ouais, voilà, c'est ça. Et bah, voilà, je vais reprendre ça. Ça fait partie de mes projets. Et après, placer des filles, recruter des filles là-bas, les placer, et voilà. C'est mon projet, on va dire. Comment ça va se passer? C'est-à-dire que pareil, tu restes sur Insta, tu vas cibler potentiellement la Côte d'Ivoire et tu vas aller avec tes contacts que tu as en France, tu repères 2-3 modèles et tu les fais cibler en France et tu prends ta commission dessus, c'est ça? Non, alors, en fait, elles sont en Côte d'Ivoire. Donc, ouais. Après, moi, je prendrais vraiment des mannequins. Défilé, vraiment là je serais très 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 strict par rapport au profil. Okay. Mannequin type défilé, grand, très fine, etc., très bon potentiel, et je finirai un contrat avec elle, et voilà. Donc là, normalement cette semaine j'ai signé le premier contrat. Après je vais les former parce que là j'ai recruté aussi des agences de formation là-bas, des photographes, tout ça. Donc je suis en train de voir aussi lequel je vais choisir, et voilà, et après les mettre en relation en fait pour qu'elles fassent des photos là-bas, qu'elles se fassent former là-bas, et que moi quand j'ai tout ce qu'il faut pour la placer en agence. Moi, je vois déjà pour la placer en agence dans le pays, en Afrique, dans le continent, c'est plus simple. Peut-être après, voir en Europe, parce que si je peux réussir à la placer aussi en Europe. Voilà. Donc, c'est ça un peu mon projet de cette année. Et puis voilà, et faire grossir tout ce que je fais de mon accompagnement, tout ça, continuer à évoluer parce que ça change tout le temps. On recrute, il y a des personnes qui partent, on reprend d'autres, etc. Voilà, donc faire grossir ça et puis voilà, c'est un peu. Ouais, surtout, tu as une équipe maintenant qui est derrière toi, qui est avec toi, qui bosse avec toi. Ouais, c'est ça. Donc, ça grossit à chaque fois. Ouais, c'est ça, ça avance un petit peu, mais bon, ça avance, ça recule en fait. Tu vois, tu connais le business et ça avance, ça recule. Des fois, tu recules pour essayer de mieux sauter. Et en fait, tu ne sautes pas mieux, donc après, tu avances. Enfin, tu vois, c'est un peu. C'est comme ça, mais bon, après, on essaye de faire des choses sur les choses bien. J'aimerais bien aussi faire des. Genre de masterclass, tu vois, ça aussi j'aimerais bien. Ouais. Je vais faire un événement là, j'en ai fait un là, je vais en faire un avec les mannequins qui sont dans mon accompagnement. Ouais, j'aimerais bien faire un truc. Sur Insta, t'avais fait ça dans une sorte de café un peu. Ouais, c'est ça. C'est un networking un peu dans le même style, ouais. Exactement, j'en fais un fin mars et j'aimerais bien faire, mais ouvert à plus de personnes, pas qu'aux filles que j'accompagne, mais ouvert à plus de personnes et peut-être faire des. Je sais pas, des sur 2 jours, tu vois, des journées vraiment, tu vois, par exemple, sport, 8 heures levé, sport, 10 heures shooting,
15h, je sais pas, maquillage, 17-18h, réseau. Enfin, tu vois, faire un week-end ou un truc sur une journée, sur deux journées. J'aimerais bien faire un truc comme ça. J'avais parlé avec une photographe aussi qui avait ça en tête. Et vraiment un truc sur un ou deux jours. Et voilà. Peut-être un jour pour tester, mais elle, voilà, on pensait faire deux, trois jours loin, tu vois, vers Bordeaux, tout ça. Nanana. C'est plus d'organisation de peut-être commencer à voilà, faire un truc ici. Sur Paris, sur une journée, et après voir comment on peut arranger tout. Mon avis, il y a des très très gros projets en cours, mais enfin, c'est dans la tête. Après, il faut les mettre en place, ça prend du temps. C'est clair. Mais ouais, des trucs, ouais, c'est, enfin, c'est, ça n'a pas été encore vu sur le marché francophone. Et voilà, on a des trucs en tête qu'on va peut-être faire et à voir, mais ce ne sera pas pour maintenant tout de suite. Un top model challenge. Ouais, non, c'est vrai. Oui et non, quoi. Mais il y aura d'autres trucs aussi, des trucs qu'on pense. Il y a tellement de choses, de toute façon, dans le business. Tu vois d'autres business et puis tu reportes dans ce business-là, tu regardes les États-Unis, tu essaies d'adapter. Et voilà, quoi. Il y a plein de choses, mais après, tu ne veux pas tout faire en même temps. Ouais. Parce qu'en fait, tu n'avances pas. Donc, consolider déjà ce que je fais. Et après, quand c'est en place et ça tourne bien, là, on pourra faire viser beaucoup plus grand. Et là, voilà, on reste un peu dans les petits trucs. Voilà. On essaie d'avancer comme on est, comme ça, et après, on va viser les gros trucs. Quoi. En tout cas, il faut aussi que tu fasses, je vois, tu es très actif sur les réseaux sociaux. On peut toujours te suivre sur Instagram, Gaosu Samake Off. Ouais, c'est ça, toujours. J'adore, je regarde beaucoup ton Insta. Il est, visuellement, déjà, tu l'as bien présenté. Les photos sont magnifiques. Surtout, en fait, tu mets des photos pro de tes mannequins, donc ouais. des jolies femmes. Ça capte l'œil. C'est très, très beau à regarder. Donc, belle évolution hein, quand tu dis que tu as démarré Instagram à zéro et il n'y avait pas grand chose. Ouais, non. Vraiment que tu as bien évolué. Donc, ouais, si merci. Vous voulez suivre Gaosu, c'est Gaosu Samake Off. Vraiment bel Instagram. Merci. Merci, c'est gentil. Et... YouTube aussi. Ouais. Tu mets beaucoup tes podcasts. Gaosu ouais, Samake. YouTube. Je ne suis pas beaucoup suivi, hein, mais bon, c'est pas grave. Ah, mais c'est déjà pro, ça va venir. C'est comme on ouais, dit. C'est des petites vidéos, des petits soldats qui vont travailler. Je crois que c'est toi qui me l'avais dit ça. Des ouais, petits soldats peut-être. Qui travaillent pour toi et au fur et à mesure de l'année, ça va augmenter au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et on peut te suivre aussi sur TikTok. Pareil, Gaosu ouais. Samake Off. Ouais, c'est pareil. Sur TikTok aussi. Je suis plus Insta. Voilà. Plus Insta, ok. Je suis plus Insta. Voilà, si vous voulez, si vous sentez que vous avez du potentiel, si vous êtes passionné de mannequinat, parce que comme il a dit, il l'a répété, être beau, c'est bien, mais il faut aussi être passionné parce que le mannequin, c'est un vrai métier. Je pense qu'il l'a beaucoup répété dans le podcast. Il faut être rigoureux. Ça ne se résume pas qu'à venir et on fait un shooting et on s'en va. Non, c'est vraiment une vraie philosophie derrière. Discipline au niveau de la ponctualité, discipline au niveau du corps, être en forme, être un peu sain, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça que vous pourrez réussir. Et donc, si ça vous intéresse, contactez Gaosu tout simplement et voyez, tentez votre chance. En tout cas, il va tout faire si vous avez du potentiel, il va tout faire pour vous aider parce que son objectif, c'est que vous signiez en agence. Donc voilà, il est là pour ça. Exactement. C'est ça. En tout cas, c'était un plaisir, Gaosu. Merci beaucoup. Hein, Merci, hein, c'était un plaisir. Tu nous as beaucoup donné d'informations sur le métier, sur le milieu du mannequinat. Et d'ailleurs, je vais t'en poser des questions après parce que franchement, c'est un milieu qui est vraiment top. Et pensez, si vous avez aimé, pensez à liker le podcast, pensez à vous abonner et à laisser vos commentaires et pensez à suivre Gaosu hein, sur ses réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube, TikTok, Gaosu Samake Off ou Gaosu Samake, vous allez le retrouver. Et qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? C'est quoi le dernier mot De la réussite, hein. C'est qui ont tout regardé, la vidéo, etc. et qui sont dans le business, dans le mannequinat, dans... Ouais. Peu importe leur projet, qui puisse se donner à fond et surtout ne pas abandonner et les résultats viendront. Exactement. Merci beaucoup à toi, Gaosu, et plein de bonnes choses pour la suite. Yes, merci. Allez, ciao. Ciao.